On est dispo pour Rayou si jamais. J'envoie une invite, il va voir que... Mais là, il est en game, je vois qu'il est en game là. Et là, il est en train de faire le truc où il monte les. Il Ah, il fait a plus de 3 quitté! radars. Ah, ouais, il a quitté, il est ultra Il chaud faisait là. quoi? Il faisait quoi quand même, C'est manche? le truc où tu dois. Le petit château fort, tu dois monter chaque mur là, un par un, les Comment il va murs. celui-là? Et voilà! J'ai Ça va quitté, bien et bien toi? évidemment. Ça va extrêmement bien. J'espère Je passe que. ici, j'arrive. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Bah ouais, tranquille et toi, Pas bro? mal, pas mal. Et bah ouais, je te sens pas, tout va bien. Tout va bien? Tout Ok. va bien. Vas-y, je change mon titre. C'était quoi la manche que tu faisais, et toi, Antoine, il a essayé de m'expliquer, mais Mais j'ai pas si, le compris. truc où tu dois escalader tous les murs, un par un. Tu sais, t'as des énormes blocs Les et caisses? Ouais, ok. ouais, tu dois monter sur les caisses et tu dois Ok. utiliser avec parcimonie ton cerveau. Ah ouais. Mec, j'aime tellement Ouais. mieux quand c'est toi qui raconte que quand c'est Oui, Antoine. bah merde. Et bah tu sais que c'est pas le cas de des millions de personnes qui ont adoré ce qu'ils comptaient sur YouTube. Ouais, mais ça c'est l'ancienne époque. Ouais, Ça c'est s'est l'ancienne passé, époque. ça s'est Toi, t'es un passé, peu ça de s'est la passé. nouvelle Passé, ça génération, va. toi, finalement. Excusez-moi. Moi, je me souviens de lorsqu'il parlait Allô? des quenouilles, c'était Non, moi. mais on Oui, disait rien que de. Antoine, il était à son prime et que maintenant c'est plutôt Rayou, quoi. Salut Ah, ça Florence, c'est vrai, ça par contre. va? Ça va, Bonjour, Flo-Flo? Rayou. Eh ben, ça va extrêmement bien. Là, ton doigt, là? Oh, frère, c'est une catastrophe. C'est quel doigt? Le majeur. C'est trop Ah. chiant. Tu sais que vraiment, j'ai fait un tournoi Smash tout à l'heure, j'étais trop nul, c'était une catastrophe, j'arrivais Ouais. pas à jouer. Quelle main? Main gauche, et je suis gaucher, donc c'est un peu chiant. Ah. T'es gaucher, Comment Rayou? ça m'étonne pas que tu sois gaucher, mec? Pourquoi est-ce que cette question de fou? Ah, parce que je suis maladroit? Non, c'est. Je trouve que les gauchers sont un certain type de personnes que je pourrais pas définir autrement qu'ils sont gauchers et du coup ils sont comme Vas-y. ça. Antoine, est-ce que je suis gaucher ou La droitier à ton avis? discrimination, donc. Toi, t'es droitier, JD, 100%. Oh putain, il est trop fort. Ouais. Vas-y, dis-le, mec, ça veut dire quoi? Je suis une merde! Non! Juste. Mais non, non! Justement, Non, je les trouve. mais en vrai, je suis un peu d'accord avec Antoine, Moi, c'est je vrai, trouve il que y a les des trucs gauchers qui sont des gens sont assez gauchers, mais pas intéressants, souvent. assumés, quoi. T'es en train de Ok. dire que je suis zèbre? Bah, un peu! Antoine. Souvent, les gauchers sont un peu zèbres, ouais! Antoine, tu vois mon pote Gaël K? Oui? Et il est gaucher ou droitier, à ton avis? Si tu me poses précisément la C'est-à-dire question qu'il est sur ce gaucher. mec, il est 100% gaucher, mec. Non, il est droitier, justement, il te bait, je pense. Ah, non, il est gaucher, 100%. Bien joué. Mais Pas trop oui. fort. Mais oui, il est gaucher, Après, 100%. je t'ai posé. Après, j'avoue qu'en posant la Mais oui, question, je suis normal. Mais non, mais il précisément était ce droitier, mec. il était gaucher de base. Bien sûr que oui, ça se voit. Moi, je suis gaucher ascendant zèbre, en vrai. Après, il avait une chance sur deux, quoi. Vous avez lancé la partie ou pas, là? Bah Ouais, elle est oui. lancée, Florence. Est-ce que tu peux t'appliquer, s'il te plaît? Parce que si on gagne pas, je me mets de la manette dans le cul. Désolé! Si on Regardez perd mon le deuxième jeu, FFS. là, vite fait, là. Si on perd le Non. FFS, ça sera ta faute. Ouais, On alterne c'est... Rayou les games solo et les games équipe. On alterne les deux. Oh, mais attendez, mais vous savez faire de l'animation sur Twitch, quoi. Exactement! Eh, vous en donnez tous, ça, salade tomate On rognon, essaie, on quoi. essaie. Oh là là. Super! Quelle rigolade. Et moi, JD, je suis droitier ou je suis gaucher? Bah merde, j'ai déjà arrivé juste avant, je crois. J'ai oublié, donc ça va. Ok. Non, T'es t'es droitier parce droitier? que tu pointes tout le temps de la main droite C'est vrai. quand tu montres un truc. Tout à fait. Mais c'est aussi mes idées politiques, ça, étoile, C'est donc aussi, ouais, c'est. ça on savait, C'est mais... totalement vrai. Hop là. Toi, tu dis les termes, mec. Tout à fait. Je suis Mais c'est droitier, aussi rapide, absolument. Florence! Ouais, Et t'as bah regarde, joué. ça va changer là, regarde. Et Une manette turbo. t'as joué dans Fast and Furious? Elle a une manette turbo, Exactement. c'est tout. Elle C'est vrai. triche. Putain, Bah ouais, Antoine j'ai avec ton installé un petit vieux mod, skin. quoi. Logique, non? Quoi? Mais toi, t'as vu ton. T'as même pas le skin Pac-Man, mec! Ouais, parce que c'est plus mon perso, mec. Quoi? Tu joues qui Non, je suis maintenant? en embrouille, je suis en embrouille. Oh. Je Hop suis un là! Pokémon. Ah oui, c'est vrai que tu joues Ouais. ça la dernière fois qu'on a joué ensemble, tu jouais ça. Ouais, j'ai été qualifié, mais sur le fil, je crois. Hein. Mais moi là, j'ai eu envie de reprendre un peu Ridley là sur Smash. J'étais en mode. Mais Pourquoi t'étais. En vrai, Je ça me suis jouait. trouvé même meilleur qu'avec Zelda avec le Ridley, très étonnamment. Je sais pas pourquoi. Mais tu kiffais bien le jeu, là, t'as beaucoup joué au chalet. Ouais, excepté une fois LOL. Mais oui, quand on était là-bas, ouais, effectivement, on a pas T'as mal bien fait de joué. la pré-shot avant que. Après, Étoile, il me fout dans des spirales de Smash quand je suis avec lui. Il me fait un petit Smash et puis. Non, mais, Et non, toi, mais, non, mais. Rayou, Ah, il non, te mais. fait quoi de Smash? Mon pur consentement. Pur Avec consentement, un Rayou. petit couteau qu'il Antoine. tient de sa main gauche. Antoine, j'aimerais que, s'il te plaît, tu rétablisses la vérité parce qu'en fait, les gens pensent Mais que. c'est mon consentement! Oui, non, mais je sais, c'est ton consentement. Mais tu sais, C'est les un gens putain de sur le harceleur qui live, veut. ils pensent que je suis un harceleur. Alors que, genre, juste, Alors que je vais voir oui. quelqu'un, je lui fais un sourire et je lui dis petit smash, et la personne dit tout le temps Ah oui, oui, parce t'es qu'elle un ne peut pas. manipulateur en fait, tu Elle veux ne peut dire. pas résister à mon charme, c'est pas de ma faute. Le sourire qui est dévastateur. Mais non, mais alors, vraiment, oui, il vient te voir, il fait petit smash, comme ça, et voilà. Et moi, je suis en mode oui, vas-y.
Avec plaisir. Et on sent vraiment que si tu lui dis non, il va vraiment ressasser les souvenirs délicats du passé et tout, tu vois que... Vraiment pas. T'as une musique ça de piano qui se lance, tu sais pas d'où elle vient, mais vraiment il y a un truc quoi. Ah ouais, c'est surnaturel quoi. Une dingue, hein. Tu m'aimes jouer avec les objets quoi. Oui, mais c'est parce que Filza voulait jouer avec les objets. C'est moi qui ai proposé. Ah ok. C'est moi qui ai proposé le frère. Ah. Étoile, t'as vu que demain, que Zerator il avait mis genre demain il y a une émission où ça va être que cette manche en boucle. Ah ouais. Ah c'est marrant je trouve. Ah, c'est vraiment pas bien, mec. Bien joué. Oh non. Oh, il met 1000 ans à tomber en plus, quelle catastrophe, je suis obligé de le faire comme ça. Je vais essayer de pas te hint, Antoine. On va pas être... Non, dans tous les cas, c'est mort. Oh non, on quitte. Non, quitte pas. Non. Il y a que Ryu de qualifié. Mais oui, mais c'est la manche 2, donc on quitte pas. Ah, pardon, my bad. Non, faut pas quitter. Parce que je suis qualifié en fait. J'avais oublié que c'était la manche 2, désolé, je croyais que c'était la première. Suffering from success, suffering from anxiety. Et désolé. Je fous le tryhard. Ça me fait plaisir de jouer avec vous, je suis tout excité. Tout excité. Non, je suis en full plaisir. Full plaisir. Je suis en main sur le cœur, Je suis en main sur le cœur. la main est sur le cœur, le poumon respire. J'ai l'impression de respirer de l'air frais, quoi. Il sait qu'il y a un skin Batman, mais. Ouais, je regarde le ciel et je me dis, est-ce que la plus belle constellation, c'est pas vous réunis en fait. Tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mec. Ah non, c'est bon. Ce que tu veux dire. Il est aroused. Fais attention au bloc si tu veux mon avis sur celle-là. Ouais, gare au bloc, mec. Okay. Je te regarde. Regarde mes mécaniques. Hein. Je regarde le GOAT à l'heure actuelle. J'entends 10 000 bruits et le perso il bouge pas, ça me tue. Regarde les dash dance. Hein. Ça, c'est une mécanique avancée. Ok. Mais il se passe. Mécanique avancée, je dash dance. Ayou, c'est super, on va mettre sur le frigo, je pense. Je redash dance. Mais je crois qu'en fait tu vas tellement vite, mec, que... C'est même pas visible à l'image, ouais. C'est genre une dinguerie, hein. Mais tu sais que mes réflexes sont identiques à ma vitesse, hein. Donc ça va extrêmement vite. Je pratique le MMA depuis maintenant 9 ans. Je suis surentraîné, je pense que si je mets une main sur un gorille, il s'évanouit. Mais je crois qu'on n'a pas encore inventé des technologies qui retransmettent ta vitesse, en fait. Je le connais par cœur, c'est dingue. Bah tu sais que tout à l'heure, j'étais avec mon Uber, et en fait je parlais extrêmement vite parce que je faisais en fait du shadow phrasing. Phrases dans ma tête. En fait, je mettais les phrases tellement vite que mon Uber a pas compris. Enfin, je m'avais raconté tout un scénario de film et ça a duré genre 2 secondes. Ah ouais, mec, t'es incroyable. Tu te volais l'idée et puis Ah vraiment. La... Ouais, bah oui. Je suis extrêmement rapide en ce moment. Je suis. Du shadow phrasing. T'as jamais fait avec du shadow phrasing? Si, bien sûr que si, je le fais tout le temps, mec. Un classique. Shadow phrase, genre tu mets que des phrases dans ta tête, genre t'en fais environ genre 1600 ou 1700. Et après, genre, y en a une qui sort de. Mais genre automatique, mais sans que t'aies les vraiment. Bien sûr. Là, ce que je viens de faire par exemple. Mais ouais, c'est une singerie, hein. Il apprend vite. À me fast learner, Florence. Tout à fait. Putain, qu'est-ce qu'il apprend vite. Oh le malaise. Oh non. Oh non, oh cringe. Oh le cringe. Vous inquiétez pas, je suis le GOAT. Bon, allez, on quitte. Quittez. Oh le GOAT. Oh non, putain. Le GOAT en action. Le GOAT en action. Le GOAT en action. Sous nos yeux, insane. Oh putain, me chier. T'inquiète, mec, t'inquiète. Là, on va être en team. Mais tu sais qu'en plus, j'avais vraiment visualisé la manche, en plus. Je l'ai shadow analysé, mais... T'as shadow analysé. Ouais, mais t'as pas vu que t'as shadow follé, mec. Il a shadow fail, là. Il a shadow fail, c'est pas grave. Eh, solitaire, hein. Solitaire à jamais, comme on dit. On est en team. Ah mais non, on est en solo. J'ai relancé solo. Pardon, j'ai pas écouté. Quand tu parles, c'est comme du bruit blanc pour moi. Solo d'être sous l'eau. Les 36 stream snipers vont avoir lancé avec en team normalement et on est bon. Elle était bien ta vanne, je l'ai entendu, Antoine. Quelle vanne? J'ai dit quoi? T'as dit quand tu parles, c'est comme du bruit blanc à mes oreilles. Ah oui, merci. C'est pas une vanne, mais ok. Putain, trop cool. Super, sublime. Trop bien, les amis. Je fais du shadow listening là. Oh putain, tu. Ouais. Oh, non, mais tu. Alors, là, demain, Antoine, j'ai une vision. Demain, c'est top 5. Pour toi. Non. Impossible. Mec, non, tu peux pas dire ça. Impossible. Demain, c'est top 5. Après, il faut que tu manges bien. On est 40, c'est ça? C'est 39 joueurs demain? Faut que je mange?
mec, faut shadow hitting en avant parce que mais si je shadow hit mec. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Ah non mais attendez. Vous savez qu'en vrai Non, attendez, en ça de ça. Oui, si oui. Regarde droit dans les yeux, tu sais que quand t'as faim, faire du shadow hitting, ça te permet de tenir plus vite. Hein. En fait, quand t'as faim, genre tu te visualises. En fait, moi je vois pas les images dans ma tête, mais genre si je m'imagine de manière globale le fait que j'ai un sandwich devant moi, je peux tenir genre 5 minutes de plus. Ah. En vrai, si je shadow hit toute ma vie. Ah oui, 5 minutes de plus. Oui, d'accord. Oui, 5 minutes de plus, oui. Mais je pense que si je fais un perfect shadow eating pendant genre 10 ans, je peux ne pas manger pendant 10 ans. Mmh. Ah ouais ? Ça me paraît être un conseil. Go try, mec. Mais par contre, il faut que je sois irréprochable, genre. Irréprochable dans ton shadow eating ? Comment tu peux être irréprochable dans ton shadow eating, mec ? Mais ça demande une concentration parfaite, genre. Ouais, bien sûr. Au bout d'un mois, genre, tu vas être très irréprochable, hein. Tu vas plus beaucoup manger, t'inquiète pas. Bah ouais, c'est ça se fait, je pense. Hein. Ouais. Il fait quoi, JDA, en ce moment ? C'est quoi l'actu, là ? Oh, rien. Ça joue à quoi ? Bah écoute, ça joue à Fall Guys, malheureusement. Ok. Et allez, hop, Florence, dans ta gueule. Bah, Rayou, enfin. Non, t'as pas tué Florence. Attendez, je vais essayer de tuer Florence là. Non, je vois quoi en ce moment le chat. Attends, ouais, mais non, Auguste, putain, je suis la seule meuf de la soirée, laisse-moi tranquille. Hop là. Tu veux pas quand même que je dise. Pof, tu es misogyne quand même. Pof, tu es misogyne. Viens là, Florence. Si tu tues Florence, ouais, t'es miso, hein. Tu m'as me shadow pushing quand même, t'as rien à faire dans cette game, Florence. Il est en train de me shadow pushing. Il est en train de la shadow pousser là. T'as rien à faire. Mais personne ne meurt, putain, c'est trop de la merde. Oh non. Je suis shadow mort. Oh non mais je l'ai shadow poussé. Oh, j'ai même pas touché. Mais oui, c'est vrai, tu l'as shadow poussé, tu l'as même pas touché, bro. J'ai même pas touché. Mais oui. Mon aura était trop puissante. Je suis désolé Florence, c'était vraiment du pur chilling parce que j'ai même pas appuyé sur ma série de d'inputs précises pour te faire tomber genre. Parce que normalement c'est haut, rond, rond, pas gauche, ah ouais, rond, droite. Je pensais que tu voulais faire du shadow failing. Rond, rond, on est... Tu joues avec une manette de play, mec. Mais mec, c'est... Bah, je joue avec une manette de PS1 comme Luffy, le vainqueur de l'Evo sur Street Fighter 4. Ah, Luffy, ouais, le mec de One Piece, j'adore. Ouais, exactement, il a un super chapeau. J'aime trop, ouais, j'aime trop son chapeau. Putain, bah, j'adore les animés, mec. Hein. Oui, moi aussi, c'est quoi ton animé préféré, mec ? Sasageyo ! Ah, c'est l'attaque des titans, SNK ! Et bah, c'est pas vrai parce qu'en fait, j'ai regardé que 2 épisodes d'attaque des titans, il y a quelqu'un sur Twitch qui m'a spoil la saison 6, donc j'ai arrêté de regarder. Ah, nique sa mère. C'est quoi ton animé préféré, Florence ? Mon animé préféré ? Ouais. Oh putain, j'en ai tellement pas vu beaucoup que c'est un peu la honte. Bah, okay, on s'en fout. One Piece, allez. One Piece ? C'est qui ton personnage préféré dans One Piece ? Moi, c'est One Piece. C'est et toi ? Dans One Piece, c'est Lan. Lan ? Si tu convois avec Shrek, là, tu me. Lan de One Piece, peut-être que t'as pas vu la saison, Antoine, c'est peut-être pour ça, non ? Florence, tu confonds avec Shrek, what the fuck ? Somebody once told me the world is gonna roll me, I am the shadow to the ocean. Tu maîtrises l'anglais, mec, she was looking kinda dumb with a finger and a thumb in the shape of a nail on her forehead. Well. Oh, je suis chaud. Ah, wow, t'es trop chaud, mec. Actuellement, le GOAT, deuxième. Waouh. Pas mal. Hop. Sublime. Mon personnage préféré dans One Piece, c'est la dragonne, bien sûr. Ah ouais, j'avoue, elle est pas mal. Attends, la dragonne de One Piece. À qui, Rayou, voulait faire des choses sales, on rappelle. Tout à fait. Avec consentement, of course, à pied, mais... Bien sûr. Eh oh, clairement. Franchement... Galin s'y consentit. Oh. Je pensais que c'était le nom d'un acteur italien, genre Galin s'y consentit. Galin s'y consentit. Je le captais pas. S'y consentit. Qu'est-ce que c'est beau l'italien, putain de merde. Je suis en train de l'apprendre sur Duolingo en ce moment. Ah ouais, t'es sous Duolingo ? Mm-hmm. Je devrais Duolingo, moi. Après, je parle... Quelle langue ? Bah, j'aimerais bien apprendre le japonais, parce que je suis franco-algérino-japonais. Ah oui, c'est vrai. My bad. Kalan Sikonsanti. Ça n'est pas vrai. Kalan Sikonsanti. Je suis désolé. J'essaye de step up sur mes blagues en français, vu que je suis drôle qu'en anglais. Donc en ce moment, je fais... Ah, Duolingo qui a licencié ses employés pour les remplacer par une IA. Oh super, je viens de prendre l'abonnement il y a genre 3 jours. Voilà. Ça fait plaisir en vrai. Voilà, j'ai pris l'abonnement il y a genre 3 jours. Ah, je suis trop ravi là.
Oh la bonne. Eh bah super, bah, Nick... bah, bah tant pis, je saurais pas parler italien. Je dirais juste pepperoni pizza, quoi, voilà, c'est tout. Quoi? Un abonnement pendant combien de temps? Longtemps en plus, j'ai pris un gros abonnement. Genre, j'ai pris un abonnement à l'année, je crois. Oh non, bah oui, mais tu... en fait, si tu n'utilises pas l'application, tu leur as juste donné de l'argent en mode. Bah oui, bah du coup, je vais utiliser l'appli, quoi. Voilà, bah merde. T'as juste financé des licenciements, Antoine, t'inquiète. Ouais, c'est ça. Bon, bah merde. Non seulement, il y a des gens qui se sont fait virer sur Twitch à cause de lui, maintenant c'est Duolingo. Non, mais ça. Non, sérieux ! Rayé en fait. Oh, je suis trop deg. Attends, à moi. Oh là là. Oh non, cette map là, je perds toujours. Une catastrophe, une catastrophe. J'ai flop en ranked. Pitié. Pitié. Oui. Mais je. Mais. Je vais pas être qualifié. Non. Oui. Non. Oui. Oh, mais et... je suis en. Mais attends, mais c'est du nitro flop. Ok, 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 ok. 2% par 2%, Rayo, je suis sûr que tu peux le faire d'ici. Non, une heure et demie, ça devrait être bon, je pense. Mais non. C'est nul à chier. Mais va dessus, connard. Putain. Je peux le faire. Mais vas-y. J'en ai marre. Oh non. T'es plus... Oh, c'est je bugué, j'en peux plus. Frère, je vais le faire. C'est bon, qualifié. Never back down, never war. Ouh. Non, c'est moi. Allez, le dernier. Ah, j'ai 14 jours pour me faire rembourser, apparemment. Ah, c'est good. Mais parce ouais, que c'est... Rembourser, ils vont perdre de l'argent, ils vont licencier encore c'est plus. C'est Charlie et Finza qui m'ont dit « Ouais, nous, on paye, tu vas pas regretter et tout, trop bien. » Je suis en mode oh, « bah, vas-y, je prends, vas-y. » Charlie c'est et leur faute, c'est leur faute, c'est leur faute, c'est leur faute, c'est leur faute. Duolingo. Actualité. Ah okay. Le bruit, c'est chez vous, le chat. T'as fait tes ranquettes de placement sur LoL, Florence? C'était en combien? Là, j'ai pas eu le temps, parce que comme on était au chalet et tout machin, j'ai pas trop le temps. Mais là, je pense que je vais faire bah, demain, après le FFS, là. Ok, ouais. Bah, tu ouais. penses que tu peux hit le GM cette saison, en vrai? Peut-être pas cette saison. Peut-être pas, quand même, parce que, tu sais, ça fait un petit moment que j'ai arrêté. Donc ouais, ça fait longtemps, se mettre ouais. dans le bain et tout, tu sais, il y a un petit moment de... Non, je peux comprendre. Mais bon, peut-être la saison d'après, franchement, je pense que ça peut être un objectif atteignable. Là, bah, je vais rentrer possible, sur un arc sur la chaîne où je vais faire que ça, je pense. Trop bien. Je comprends. Les modérateurs, ils ont grave envie de modérer des trucs comme ça en plus, donc j'ai envie de leur faire plaisir. Je pense que ça fait full plaisir en vrai. Ouais. J'ai envie de faire plaisir à la commu et aux modérateurs, et puis voilà quoi. Je l'ai vu le chemin, mais je sais plus où il était. Ah, il y en a deux, ok. Oui. Quoi? Oh le flop! Ah non, faut faire saut plus. Ouais, ouais, ouais. C'est bon. Oh le big flop et Oli. Oh Rayou. En fait j'étais premier et je suis... En fait j'ai flop. Et Oli. Je suis tombé tout seul. Je suis tombé tout seul. Tombé pour elle, je l'ai. Merci Kev Cordier pour les 44 mois, c'est à elle, les 13 mois, la morsure, les 22 mois. Oh cette finale. Je pense qu'en vrai, je suis très fort en blind test, je pense. C'est vraiment un truc que j'aimerais trop. Moi je suis ultra fort au blind test. Mais c'est mort quoi en fait. Et bah je pense Antoine que je prends ton petit cul et Je suis pas sûr en vrai. Hein. Non, en vrai, je pense que c'est serré. Mais je pense que tous les deux on est trop forts. Il y a des chances. Je pense qu'en fait on couvre des choses que l'autre ne couvre pas. C'est très possible. J'ai déjà joué au blind test avec Antoine, c'est vraiment vénère. C'est le GOAT. C'est trop chiant. Je il déteste jouer avec lui au blind test. Il est vraiment fort. Il est horrible. Oh non, c'est le GOAT. Désolé d'être le GOAT, mec. Il est horrible. Jamais je gagne là. Mais non, mais de toute façon, c'est pas facile, t'as perdu. Ah oui. Non, il va pas gagner en plus. Si, si. Non. Ok. Mais il est trop fort, c'est pas facile. Il a gagné ? Il a fait top 2. Il a fait top 2, ouais. Il a perdu Random Rabbit. Ah mais c'est Random Rabbit. Oui, c'est bah, Random Rabbit. Oui, les deux ils sont trop forts. Oui. C'est les stream snipers mais qui nous embêtent pas. Mais comme ils sont trop forts, bah on perd quand même. Mais c'est vrai qu'ils sont très forts. Bah au moins ça nous donne un gros avant-coup de ce qui va se passer demain avec Gakko. Exactement. Gakko. Vous connaissez pas Gakko? Non. C'est un streamer Fall Guys qui joue qu'à Fall Guys depuis des années et qui a coaché tout le monde et il est genre... Je crois qu'il a 3000 couronnes, il est genre trop fort. C'est ça va être une des... Gakko. En vrai, demain, s'il perd une game, c'est un truc de fou, je trouve. Je pense, je vois pas dans quel monde il perfect pas. Putain, mais il joue à Fall Guys qu'à ça depuis des années, putain, moi j'en aurais trop bah, marre.
Je crois qu'il a genre 2700 heures sur son Twitch tracker. Ça veut dire que c'est des heures streamées en plus de Fall Guys. Ouais, hein. C'est des heures streamées. Donc dis-toi qu'il a fait des tournois et tout. Ah ouais, 2700 heures de Fall Guys. No judgment, bien sûr, mais putain, c'est un truc de ouf. Hein. Moi, mon objectif, j'aimerais faire top 5 en vrai. J'aimerais bien. J'aimerais bien être dans le top 10. Voilà. Pour Fall Guys ou PUBG? Pour PUBG, Fall Guys, je pense que je vais faire top 40. Putain, PUBG, incroyable. Hein. Tu t'es inscrit à vous ou pas? Bien évidemment que non. Ah, moi, oui, bien sûr. Bah, toi, tu es le goat de PUBG. Ouais. J'ai vraiment envie que JD s'inscrive sur FFS PUBG. Ouais, t'inquiète, c'est en cours là. Je pense que sur PUBG, tu serais littéralement le goat, JD en vrai. Ouais. Il a jamais joué une seule game de sa vie. T'as pas besoin sur PUBG, ouais, t'as juste besoin de te cacher. Il a pas besoin, c'est vrai. C'est vrai, je suis juste de se cacher, t'as raison. Ouais, c'est juste, j'ai peur qu'après ça vous dégoûte du jeu si je joue avec vous et tout, tellement je suis déjà deck du jeu. Je suis ton Kirby, mec, hein. Ouais, bah je sais que mon Kirby, voilà, ça t'a ralenti un peu dans ta progression sur Smash. En fait, je me suis posé trop de questions sur le fait, bah, comment on peut appréhender le jeu lorsque bah quelqu'un l'a déjà maîtrisé à 100%, quoi. Oui, voilà. Mais t'es tranquille, en vrai. Je me suis un peu retiré de la scène, t'as vu, donc maintenant tu peux y aller. Oh, mais. Il y a de la on place. Peut laisser briller. Ah, oh, c'était surtout pour laisser Gluto briller en vrai, moi ça. J'avais un peu terminé de mon côté. C'est bien qu'il y ait place aux jeunes. Prince, quoi, place aux jeunes. Les amis, nous sommes premiers, bravo. Tout à fait, aisément en plus. Clairement, aisément, nous avons tous les quatre terminé, sans trop d'accro. Mais non, mais je serai pas dernier au FFS PUBG, les gens, c'est bon, vas-y. Je dois laver mon honneur. Tu fais quoi si tu refais dernier? Viens, tu m'offres 10 000 subs. Je sais pas, mec, je... Non, mec, attends, mec, si tu refais dernier, tu dois faire un stream League of Legends avec moi. Oh, je le fais même sans ça, mec, si tu veux. Oh, mec, mon rêve, la bot lane. Je le fais même sans ça. Je pense... Alors, je pense qu'en vrai, tu t'amuserais bien. Je pense qu'une soirée sur League of Legends, tu... Mais faudrait qu'on soit 5, tu vois. Oui, faut qu'on soit 5. Mais genre, à 5, tu t'amuseras à 100%. Vas-y, Antoine, si tu gagnes... Le FFS PUBG, je participe à la soirée sur League of Legends. Oh putain de mon rêve. Putain, toi sur League of Legends, quoi. Il y a bien une personne que j'imagine pas sur League of Legends, c'est toi. J'ai tellement envie que ça arrive. Si tu fais top 1, si tu fais top 1. Si je fais top 1 PUBG, ok. Écoutez-moi bien, j'ai un play. JD, Florence, JDG, Antoine et moi sur League of Legends. C'est imperdable. Si tu veux. Moi je pense que ça sera un stream très très drôle. C'est imperdable. Non mais en plus, mais moi je pense que League of Legends, je kiffe, mais c'est juste que, en fait, il faut jamais que je fasse de solo queue, et avoir 5 personnes tout le temps avec moi, et j'ai pas envie non plus de m'investir à fond sur ce truc-là, quoi. Donc... Ma vie, après sur les... Smash... Oh, il serait tellement toxique. Ce serait incroyable. Ma vie, hein, vraiment, je veux. Hein. Mais tu sais que, mec, League of Legends, les ranked, c'est... En fait, c'est même pas le contenu principal. En fait, il y a plein de gens qui jouent à LoL de ouf et qui font jamais de ranked. Hein. Non mais je veux dire, je veux juste pas faire de la solo queue en fait, c'est tout ça, quoi. Ouais. Mais LoL en fait, j'ai jamais. Enfin, je sais pas, j'ai jamais fait une seule game, hein, vraiment. Pour moi, les persos de LoL, c'est des persos de TFT, tu vois. Oui, c'est ça. Mais t'as regardé un peu la K-Corp et tout, genre t'as regardé. Non mais même, oui, bien sûr, j'ai regardé la K-Corp, mais pas que, j'ai regardé plein d'autres trucs, j'avais même regardé. Genre les Worlds, des trucs comme ça, enfin tu vois... C'est vrai que les Worlds, j'ai toujours envie de regarder parce que j'ai un peu envie de faire partie de la hype du truc. Et je comprends pas grand chose à ce qui se passe, tu vois, ouais, mais je vois quand il se passe des gros trucs et des trucs moins bons, tu vois. Tu captes à peu près genre le Nashor, genre les teamfights et tout, tu captes à peu près ce qui se passe, quoi. Genre t'es pas en mode... En fait, surtout, en vrai, je trouve que League of Legends, les commentateurs... Essaye un peu de vulgariser de temps en temps, tu vois. Oui, genre, voilà, je trouve que les casters sur LoL sont souvent bons, et même si tu connais pas bien le jeu, t'arrives à comprendre plus ou moins ce qui se passe. Ouais, t'as des très bons casters sur LoL en France. Hein. De toute façon, en France, généralement, les casters sont très forts. Hein. Moi, mon rêve, ça serait vraiment LoL ou Valo aussi, qu'avec des gens qui... Non, mais ça par contre, Valo, je sais que c'est banger pour moi, ça. Il faut le faire, absolument. Mais moi, Valo, je sais que je vais kiffer. On est jaune, il nous faut un pingouin absolument, messieurs dames. Bah déjà qu'on est jaune, ça va. We need a penguin. Ils sont où les... Ah, là y'en a... Là y'a... Putain, je vais l'avoir ce pingouin de moi. Non putain, volé un, là. Merde. Ah non, quoique, c'est pas mal ce que je viens de faire. C'est grotesque. Ah, ouais, là. Ah non, il va passer en dessous. Ouais. Vas-y, faut le protéger, protégez-le. On le protège. Non merde. Bah le gars qui a le pingouin.
Ah mais il est pas... c'est pas un... En fait il y a un pingouin qui rentre. Si 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 si, on a... Y a... Je le protège. Je suis son garde du corps. Vas-y, c'est bien. Ah mais il y a des pingouins de couleurs différentes. Attends, on est en train de s'embrouiller pour le pingouin. C'est qui l'a eu? Pour l'instant on est first. En fait le pingouin il reste bloqué en dessous. Ah, c'est il est loin. En fait t'as l'impression qu'il reste bloqué en dessous parce qu'il se barre en fait. Attends, où... Ah lui là. Non, il y a un moment où il est resté vraiment très longtemps bloqué sous la structure. Ouais, c'est de là, ouais. C'est de là, RNG, mais oui. Merde. Ouais, c'est bien. On va. Voilà. On emmerde les rouges. Voilà. J'ai un. Ah non, j'ai pas eu le point. Je suis le GOAT. C'est bien, étoile, c'est bien. Je suis le GOAT. Non, mais là, les bleus, ils ont un point, bro. Ouais. Vas-y, JD, prends-le. Pourquoi tu prends pas? Ah non, Florence, pourquoi tu l'as pas pris? Prends-le! Florence! J'essaie de le prendre, mais j'y arrive pas. Mais... Moi, je suis en train de couvrir un lien. Trop loin. Je suis en train de protéger un man là. C'est toi, moi. Je protège Étoile, je suis garde du corps. Attends, j'ai raté là. Ah, c'est toi, Étoile, qui a le pingouin? Ah merde. T'inquiète. Et on a 95 points. On a 95 points. Ouais, mais c'est pas fini. Mais en vrai, ça sent bon. Oui. Vas-y, j'ai un pingouin. Chaque fois, je suis à 1 cm trop loin quoi. Non, mais ce jeu est un peu à chier en vrai, on va pas se mentir. C'est gagné la team. Trop, les a explosés. Ah, là, en 15 secondes, ils vont pas pouvoir faire grand chose, je pense. Effectivement. Oh oui, l'enchaînement avec Koala Man. Exceptionnel. 145 à 16, voilà. Bravo la team. Sublime. Pas jaune aide. Tu joues encore à mon cœur ce GD? Ah de fou, ouais, tous les mardis. Parce que j'avais vu, je m'étais un peu amusé à regarder sur Twitch Tracker les jeux streamés par les gens que je connais. Mm-hmm. Et j'avais vu que t'avais 900 heures sur Among Us. Tout à fait, c'est réel. 900 heures sur Among Us, ouais, c'est une dinguerie. Avant, j'y jouais deux fois par semaine à une époque. Ah. Une fois par semaine. Voulez-vous la stat du roi des geeks? Le roi des geeks s'appelle Lapi. Oui, je la connais. 14 000 heures de WoW. Ouais. Oui, Florence. Oh là là. 14 800 heures sur Twitch Tracker. Oui, j'avais regardé. Ouais. En stream. En stream. 14 000 heures de World of Warcraft pour la pi, ouais, tout à fait. Jamais vu. T'as un moment aussi qui est pas mal. Pourquoi ma manette? Ma manette répond pas. Dommage. Je joue clavier. Non, je suis encore. T'inquiète. Je joue clavier. Pourquoi ma manette elle répond pas? Il faut débrancher et rebrancher quand ça arrive sur Fallout. Oui, c'est ce que je vais faire. Mais là, je joue clavier sur cette game du coup. Ne vous inquiétez pas, on va juste gagner en fait. Ouais. Bah en fait on est déjà en avance par rapport aux deux équipes du bas, donc Mais si on a oh, c'est pas deux facile personnes et... C'est pas facile à troll. Si on perd deux personnes d'un coup, on peut encore perdre. Merde, je suis en plein sur lui. Mais en fait c'est impossible. On va arriver parce qu'on est les gouttes. Ouais. C'est tellement vrai mec. Ah oh, merde, je me suis fait éjecter. Ah pareil. Ah. Vous inquiétez pas la team. Je débranche, rebranche. J'ai eu un rebond facétieux. Non, tu es très bon. Facétieuse. Très facétieux ce rebond. Je pense que c'est ok. Je suis là les amis. Il reste pas plus qu'Étoile et moi là. Ah non, il reste un. Non, il est que 3, mais t'inquiète. Ouais, il y a un Jean-Michel qui est là. Ouais. Ah, je fais. Bon, je reste sais pas, là, c'est mais. C'est pas mon jeu le plus streamé maintenant. C'est plus ne vous inquiétez pas là. Moi ça reste, hélas, GeoGuessr, mon jeu le plus streamé de très loin. Je sais que ma première catégorie c'est le Just Chatting, sans trop de difficultés, mais en vrai jeu. Moi en premier c'est GeoGuessr, en deuxième c'est Just Chatting, en troisième c'est Minecraft. Ouais putain, ouais c'est encore GeoGuessr. Et ma deuxième catégorie c'est Isaac, de façon assez étonnante. Oh oui, Isaac. Il marche plus Twitch Tracker chez moi? Ou alors ça a changé? Ouais, c'est très lent des fois Twitch Tracker. Non mais moi il y a marqué serveur mal. Oh là là, on est en finale là-dessus. Ok. C'est déjà gagné, vous inquiétez pas. Moi je joue un peu à Rocket League en ce moment. Ça. Ah ouais? Ça me fait rire, tu joues à Rocket League. Oh ouais, c'est quoi ton elo mec? Est-ce qu'on peut durer? Jamais en ranked. Ok. J'ai aucune idée, je suis gravier 2 genre. Ok, t'es gravier 2. Il est gravier 2 le gonz. Polystyrène 3 mec. Ouais, non ça quand même j'ai réussi à passer. Tu sais que j'ai 600 heures sur Rocket League je crois. Je crois que pas 600 ou 500, j'ai beaucoup joué. En vrai je suis nul hein, mais j'aime bien, ça me détend. C'est trop bien comme jeu, c'est vraiment trop bien. Mais c'est tellement dur. Ouais, non par contre c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur? C'est vraiment un jeu qui demande beaucoup d'investissement si tu veux être un tantinet. Exactement. C'est exactement ça. C'est le mot. C'est un peu démoralisant en fait. Franchement, c'est un jeu qui m'attirerait de ouf, mais. Tu vas t'amuser vite en fait. En fait, t'as pas besoin d'être la goat. En fait, tu peux juste genre t'amuser trop vite avec tes amis. Mais moi, genre Rocket League, c'est.
Non bah vas-y, désolé, je t'ai coupé. Non j'allais, j'allais juste dire, juste voir des gens qui spamment quel arrêt dans le chat en permanence, ça me fait rire et ça me fait quel arrêt. Quel arrêt. Ouais, le jeu est tellement toxique en vrai. Ouais, ouais, c'est ça régale. Tu joues avec qui, JD? Avec Kuri, qui est un ami et qui est modo sur ma chaîne aussi. Et qui est Kuri. Voilà. Ça rend très bien qui est Kuri, JD. Tout à fait. Qui a participé à la Coupe du Monde de GeoGuessr. Oh, wow, la vraie ou la fausse? Laquelle? Bah, la fausse, bien sûr. La fausse, ok. Non! Ah, Florent! J'ai dit Florence, mais c'est moi qui me suis suicidé. Hein. Bonne chance, la team! Je regarde Florence. Ok. En vrai, là, t'es bien, Florence. Prends grave ton temps. Attends. C'est toi, Rayou, là? Ok, faut. Ouais. Non, Florence! Je l'ai ripé, j'étais trop bien! Ouais, CFF. On a fait de la merde, on a pas été organisé. Tempo, Rayou. Moi, je suis trop bien, mec. Mais en vrai, non, il est mieux en face. Il y a plus qu'un man en face et il est mieux que toi. Hein, quoique. Non, ouais. T'inquiète. Ah, je suis pas sûr, hein. Ah, ça se vaut. Non, si, il a plus de casque que toi. Si tu sautes très vite, Rayou, j'ai l'impression que ça compte pas comme un saut. Enfin, tu sais, ça te détruit pas la plateforme. Ouais, comme ça, ouais. En fait, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois ça le fait pas, mais moi j'ai vachement exploité ça. Je pense que c'est FF, hein. Oui, je pense aussi. Ah oui, il a trop de cases. J'ai mangé les 5 qu'il y avait sur le côté, ouais. C'était compliqué. Ou alors tu tentes un saut de dégène de la plateforme. Non, c'est impossible. Il marche pas, ouais. Ah, non, impossible. Impossible le saut, là. À moins qu'il fasse un... qu'il rip comme a fait Florence, hein. Franchement, c'est possible, hein. En vrai... Ouais. DMG. Ah, on était pas focus, en vrai, c'était gagnable. Fuck. Top 2, c'est ok. Ok. Re-team ou... Non, solo, petit solo là. Oui, ou solo, ouais. Petit solo là. Solo. I'm going solo, lo. Han Solo. Ah, t'es un geek toi, non? Tu sais, mon pseudo, ça vient de Star Wars, mec, hein. Non. Bah, bien sûr, je sais bien. T'es fan de Star Wars, mec. Ton personnage préféré de Star Wars, c'est qui, mec? Dark Vador. Ah ouais, il est trop stylé avec sa cape noire, j'aime trop. Je suis ton père, ah, j'aime trop, mec. Eh, c'est trop cool quand il dit je suis ton père, en vrai. Jar Jar Binks, c'est vraiment mon personnage préféré de Star Wars. La guerre des étoiles. Je le trouve toujours très pertinent quand il parle et tout. Ah, j'adore. Il y a vraiment quelque chose à l'intrigue. Et bah, Florent, je suis vraiment d'accord avec toi puisque tu es la goutte. Donc c'est très dur de pas être d'accord avec toi. Non, ouais. C'est terrible parce que Jar Jar Binks, je trouvais qu'il y avait une hate injustifiée sur ce personnage. J'étais vraiment en mode, franchement, les gens ils abusent. Et j'ai rematé les films il y a pas si longtemps et je me suis dit, non, en vrai, toute la hate est grave justifiée. Il est insupportable. Switch, en fait. Jar Jar Binks, no joke, c'est un bon personnage. Arrête. C'est de la merde, Jar Jar. Non, mais vous pouvez faire l'avocat du diable sur d'autres choses. Hein. Il y a des choses qui sont moins difficiles à défendre. Hein. J'ai envie de faire l'amour sur cette musique, c'est une dinguerie. Hein. Il y a pas eu un seul stream où tu n'as sur cette. Mais tu vois, comme quoi je le pense vraiment. C'est ça. Tu imagines, tu te baisses sur. Et si jamais il y a eu un stream où tu ne l'as pas dit, c'est que tu as dit que tu as été conçu sur cette musique. Probablement, ouais. Mais c'est trop une musique de baisse de fou, hein. Mec, tu jouais en 3 secondes, je pense que c'est impossible de tenir. Je sais pas, pour moi, elle est ultra sexy et tout, cette zig. Enfin, je sais pas, il y a un truc vraiment. C'est carrément terrorisant, en fait. En un vrai. Peu ambitieuse, même. Je crois que je bande les gens là, en vrai. Peut-être cut le stream, en vrai. Ah ouais, moi, genre, quand tu bandes, il faut cut. Pourquoi toi, tu cut pas quand... Parfois, tu bandes en stream et tu. Bah, en fait, ça cut tout seul parce que ça passe à travers mon écran sans faire. Bien évidemment, bah après je... Non, mais bien sûr. Allez, allez, oh non, je vais mourir. Je suis mort. Il meurt et il pend en même temps. Oh non, what the fuck. Jouis mort, guys. Merci Cobra pour les 29 mois. Kev Cordier, les 44 mois, Zeta, les 13 mois, la morte. En vrai, moi, merci beaucoup. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ce jeu vidéo, il est tellement long, en vrai.
Les badlons. Les badlons, on dirait un lundi. On dirait un Montag, comme diraient mes homies d'Allemagne. Comme dirait tes maisonneux. Eh, tous mes maisonneux. Je vais peut-être aller à Berlin dimanche. C'est vrai, tu vas faire à Berlin? Pour aller regarder League of Legends, la LEC. J'aimerais trop aller à Berlin, j'y suis jamais allé. J'y suis jamais allé moi aussi, mec. J'aimerais trop aller à Berlin. C'est juste un loup si tu vas à Berlin, non? Bah... Mais mec, si, tu vas à... si toi, Étoile, tu vas à Berlin et tu vas pas au Berghain, mec? Ouais, ouais, c'est vrai que je suis un peu une merde. Non, oh, oh là là, Florence, ce que tu viens de faire, c'est une dinguerie. T'as vu? Florence, c'est incroyable. Hein. C'est tellement dommage que je vais venir te grab pour que tu sois éliminé. Non. Ah ouais, vas-y, on arrive, ça, on arrive. Mec, j'ai on arrive. Hein. Depuis 1000 ans, ça serait dommage que ça va rien. Putain, mais go mixer au Berghain, Étoile, là. Go y aller, là. Je pense en vrai go mixer. Mais mec, non, mais de toute façon, en 2024, on fait au moins deux insulines et nicotine. Au moins, on fait deux stades de France, je pense, cette année. Non, deux mec. Stades de France, pour rien. Sinon, mec. Vite, en fait. De toute façon, si vous en faites qu'un, il va y avoir trop de gens frustrés de pas pouvoir y aller. Quoi. Oui, bien sûr. On va avoir un directeur de boîte et on privatise la boîte que pour les viewers. Et on fait et on mixe dans une boîte, mec. C'est ce qu'on doit faire. Là, je croyais genre une entreprise. Bah, ok, ouais. Quelle boîte? Le Rex Club, mec. Non, je sais pas, on va dans une boîte, je sais pas, une boîte où il y a. On peut mettre. Viens, on lance une fléchette sur une carte de France, mec. On fait ça. À 100%. Lance une fléchette sur une carte de France. On a plus pour le loto, là. Quand vous allez vous retrouver à Cholet, là, vous avez pas fait la gueule, là. Et ben, ça sera à Cholet, quoi. Live à Cholet, tout simplement. Bah ouais. Pitié à Langres. Oh. Live à Langres. Attends, dans le bar de JDG, mec. Alors, j'y suis déjà allé, y a pas trop la place pour ça, j'avoue. Mais mec, ah, en extérieur, peut-être, mais... C'est bon, on fait rentrer 1000 personnes, y a pas à nous emmerder, Fred. Mais non, mais en fait, c'est très... Y a beaucoup de tables et tout, en fait, voilà quoi, c'est pas du tout... Une... Ouais, ah, ouais, de mettre des tables dans un bar. Oh putain, mais il a pas de goût, ce mec. C'est pas une boîte, quoi. Putain. Non mais de toute façon, on s'était dit que si on faisait un suiné nicotine en public, on mettrait forcément très 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 peu de place. Oui, et on s'était dit aussi que les revenus de la soirée reviendraient à une association. 100% voilà. Caritatif, ouais. Jamais on ferait de la thune sur ça. Voilà. Mais ouais, je pense en vrai maximum ouais, 200-300 places. Pourquoi pas 60 000 mec en vrai, tu vois? Je trouve que places en tout à Spidon, vous savez ça, cette info ou pas? Combien de places à Spidon quoi, non? De places à Spidon et Non, quoi, 2000 non? Je sais pas, non? Non, je pense qu'il y en a pas autant. Bah je crois qu'à Paris c'était... J'sais... Oh, Étoile! Oh, je regardais pas! Oh, le bouffon. Je chillais, j'étais en mode putain, on se fait chier dans ce... Dans ce mini-jeu. Ouais, c'est de la merde ce mini-jeu. Oui, t'as le même problème que moi, des fois juste je m'ennuie et du coup je perds parce que j'ai envie de tenter des trucs débiles. Oh, il est un peu ennuyé celui-là. Oui. Mais non, mais c'est trop cool qu'il change un peu les mini-jeux et qu'on se tape. Non, JD! Non, mais je suis mort trois fois. Il reste plus que Florence. Florence, tu es notre dernier espoir, Florence. Florence? Non, Florence! Florence? Allez, ouais. Allez! Allez! Florence? Oui, c'est bon! Passé? Oui, elle est passée! Mais elle est deux games de suite où tu clutches un truc de fou, Florence, là. Mais Florence, elle clutch! Oh la vache! Le clutch là-dessus! La vache, j'ai chaud! Eh, Florence, t'as été céleste! Tu l'as ou pas? Bien vu, bien, bien vu. Bien vu, Rapport aux jeux vidéo. Rapport aux jeux vidéo, quel speedrun! C'est pas une perso hein. Ça existe pas, Sauron, en fait. Parce qu'en gros, genre, c'est un personnage qui est dans le Seigneur des Anneaux, mais il est pas sur Discord. Moi, je regarde les Lesbiennes chaque année, et je te jure. Il n'est pas que dans le Seigneur des Anneaux, techniquement. Tu sais que c'est mon personnage préféré dans ta palette. Ah ouais, lui, là, ce personnage-là. C'est mon personnage préféré. Quand il dit eh non, je pense pas vraiment, parce qu'en fait, j'ai joué à FF14, et Shadowbringer. Quoi, t'as un problème avec Shadowbringer, espèce de merde, là? Oh, ta gueule. Oui, 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 Shadowbringer, c'est un chef-d'œuvre. Mec, un chef-d'œuvre. J'ai pleuré devant des pixels devant Shadowbringer, ok? Donc, Oh, t'as pleuré la honte, mec. Non, j'ai... À chaud de larmes. Oh, la honte de pleurer, en vrai. Moi, j'ai jamais pleuré. La seule fois de ma vie... seule fois de ma vie qu'il y a eu de l'eau sur mon visage, c'est quand je me douche. Moi, je t'ai fait une faciale aussi, non? Donc jamais, quoi. Oh non! Non, mais je respecte, vous faites ce que vous voulez, hein! En fait, c'est pas de l'eau, mec, c'est du sperm! Mais dans le sperm, y'a de l'eau, mec! N'est-ce pas?
Vas-y Florence. Oh là là. Let's go. Tu sais que t'es dégueulasse qu'avec moi en plus, avec tes autres amis, tu fais pas des blagues comme ça. C'est vrai, je sais pas pourquoi avec toi je suis comme ça mec. Ou peut-être que je me pose des questions bro, je sais pas. Avec moi tout le monde est toxique. Genre, non disait, ta gueule. Selbit il disait qu'il avait jamais vu Royer comme ça quand Royer il parle avec moi. Ah oui. Mais oui, mais tu lui as appris petite bite aussi, petite bite tout le temps, mec. Je lui ai appris tu pues ta mère aussi. Oui, bah voilà, donc en même temps, pas te pas poser de questions, mec. Mais lui, il m'a appris comment insulter en espagnol, et donc on était obligé, c'était de l'échange de bons procédés. Ah, Florence, si tu gagnes la game, je dis des ban words, je pense. Ah merde, bah je vais me... Je vais sauter, je pense. Hein. Si jamais il reste plus que deux personnes, dont Florence, je quitte le vocal instantanément. Je dis juste des ban words en fait. Là, genre, je rigole, Florence, parce qu'en fait, j'ai le Louvre samedi, donc un peu la flemme. Ah. T'imagines, t'es ban pour le Louvre, mec ? Ce serait. Challenge, mec, challenge impossible de ne pas dire de ban word jusqu'au Louvre là. Challenge impossible, mec. Ah, oh, ça va être tellement dur en vrai. Donc... Impossible. Toi qui aimes tant dire le N word en privé en plus, c'est une dinguerie quoi. Oh non. Attends, t'imagines. Oh putain, horrible. Non mais, t'imagines en vrai comme si genre les ban words c'était des trucs qu'on voulait ne pas dire qu'en stream, genre. Genre hors live que des ban words. Exactement. Après, moi je connais des gens comme ça, tel Mister MV par exemple. Tellement vrai, putain, Mister MV. Tellement vrai, en vrai. Pour l'instant, Florence, tu t'en sors comme un chef, mais c'est pas facile, donc ça risque de ne pas être très facile. Il y a eu personne d'éliminé depuis le début, quoi. Putain, j'avoue. N'oublie pas que le mucus monte, hein. Et en plus, si je gagne. Ah, non, t'inquiète que je l'ai vu, hein. Aussi. Et en plus, si je gagne, Ryu il dit des ban words, donc je suis tenté de sauter. C'est très grave ce qui va se passer là. C'est très grave. En vrai, je crois qu'il y a que des gens qui sont là à chaque fois, quasiment. Très très grave. Oh non, Florence ? Non, 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 t'inquiète, c'est une professionnelle. Ah non, c'est la. Le... Wow, 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 Florence, non ! Oh ! Suspect mode de Ryu. Aïe, aïe, aïe. Suspect mode, vous inquiétez pas. Allez, on quitte. En tout cas, belle perf, Florence. Ça tombe bien. Eh, Florence, trop forte, hein. Franchement, belle perf en vrai. Belle perf. Si t'avais vu avant que t'arrives, bon. Re le chat. Mais Florence, tu t'en sors de mieux en mieux avec la manette, hein. Avec Céleste et tout, même sur Trackmania, tu te débrouilles bien. Oui, mais Trackmania, j'ai beaucoup plus joué, bon. Mais ça veut rien dire. Parce qu'en fait, les gens. J'ai abusé le nombre d'heures que j'ai sur ce jeu pour être toujours merdique au jeu. Mais... Non, mais tu sais. Trackmania disent. Non, elle dit Fall Guys. Ah, Fall Guys. Mais Fall Guys, gens... ouais, c'est vraiment unfair, mais parce que j'ai passé plus de temps à Spectate qu'à jouer, je pense aussi. Mais tu sais que moi, je trouve que les gens qui disent en mode bah ouais, il a tant d'heures de jeu, c'est normal. Bah, moi, je trouve que mettre des heures de jeu, ça fait aussi partie du skill et de l'acharnement et c'est mérité. Ah, tu bah, vois. Totalement. Je pense totalement, que c'est mais, de... mais du coup, ce n'est pas à la hauteur de. Mais en fait, Fall Guys, le problème, c'est qu'on joue souvent à plusieurs et que je suis très focus sur la discussion qu'on a plus que sur le. Oui, mais on n'essaye pas de tryhard en fait, on s'en fout. Sauf demain. Demain, je vais tryhard. Demain, c'est nos vocales pour mais moi. Mais non, mais ça sert à rien. Il y a le man. Non, mais... Non, mais le man, je le baisse, le man. Désolé, Gakko. Je baisse Gakko, bro. Ouais, oui. Vraiment, faut qu'on se mette à 4 dessus, quoi. Mais du coup, bon, on va juste faire gagner moment à la place. Quoi. Oh non, c'est hors de question. Ouais. Voilà, on est en équipe, on est d'accord, hein. Non. Ah si. Ah si, on est en équipe, oui, pardon. Je vais être premier. Bien joué, mec. Tu vas être premier, Daddy ? Ouais, sur ce. Okay. Non, c'est perdu, dommage. Ah, perdu également. Oh, bien perdu même. Bonjour, Étoile. Bonjour, le frère. Oh, j'ai envie de jouer à LoL, c'est bon. Oh là là. Bah, après ça, tu fais des solo queue, là, tranquille. En fait, c'est la nouvelle saison. Elle est sortie aujourd'hui, donc. J'ai envie de toi. Ah, je suis top 3. Bien joué, J-Day. J'ai réussi un peu. Oh, je suis avec Florence là, hop là. Très bien joué. Let's go. That's good. That's good. Florence Gotesque. Florence, Antoine et JD Gotesque. J'aime trop cette map. Mais j'aime beaucoup en fait les maps de cette saison là. Elles sont très chouettes. Cool. Dommage qu'ils en mettent plus qu'une seule. Oui. Ah ouais, c'est ça qui est dommage. C'est vrai qu'elles étaient Edwige. Ah oui, la chouette, non, tout à fait. Il y a un skin de Krill, non, ça n'a... Non, c'est pas un skin de Krill. Il n'y a pas Krill dedans. Il y a Alphino Alizé et la Gobu. La Gobu et un Chocobo. Chocobo, ouais. Il y a un skin de Jean-Pierre Raffarin sur Fall Guys, tout à fait, ouais. Il y a eu un partenariat, ouais. Surprenant comme partenariat. Ce DLC était assez inattendu, je t'avoue. Introducing Jean-Pierre Raffarin to Fall Guys. Putain, mais tu sais que c'est un DLC sur Smash. Hein. Ah, il y a le Dragoon aussi.
Ouais, c'est le DLC sur Smash. Ouais, c'est pas juste un esprit. Il me semble que c'est Game & Watch Raffarin que tu peux avoir, effectivement. Game & Watch Raffarin. Ouais. Putain, mec. Eh, mais toi, avec toi, on se fend la poire, hein. Bah, tu sais que moi, je suis un peu considéré comme quelqu'un de drôle. Par certaines personnes, en tout cas. En... Oui. Et dans toutes les langues, genre, même en français. Par exemple, oui. Oh, c'est chaud, ouais. Putain. Allez, let's go. Je vais voter pour toi, mec, dans les Streamer Awards. Pour être le plus drôle. Y'a ça? Ouais, je crois. Dans Game Awards, en tout cas, il y avait le prix pour le créateur de l'année, en tout cas. Non, mais juste, il y a vraiment des Streamer Awards. Ouais, ouais. Oui, oui, okay. Mais ça existe qu'aux États-Unis. Ah oui, c'est pas en France, ok. En France, ça serait horrible. Ce serait trop toxique. Ça serait horrible. Ouais. Jamais. Les trucs comme ça, ils ont toujours été trop cool, les trucs dans ce genre. En fait. Au States, c'est plus bon enfant. Ouais, au States, c'est grave bon enfant. Genre, tu sais, les gens, ils font les nominations en live. Ici, ça serait horrible, je pense. Ils en discutent. Et je crois qu'il y a jamais eu de drama dessus. Après, peut-être, hein, qu'il y a eu des dramas, je suis pas au courant, mais. Oui, peut-être, mais. Là, cette année, en France, ça serait horrible, je le sais. Ouais, je le sais. Oh, dommage. Et surtout, dis-toi, JD, il y a genre. Je crois qu'il y a 30 catégories, genre, il y a beaucoup de catégories. Ah ouais. Mais tu pourras en faire une vidéo, JD, du coup. Yes, bien sûr, je bosse dessus. Tu pourras la team. On est sur le scripteur. Non mais ouais, la catégorie streamer le plus drôle en France, la meilleure. Comment ça serait horrible, je n'ose imaginer. C'est pas une citation, rien qu'à l'idée. Ouais. Oh, les gens qui seraient en mode, attends, des gens qui rigolent. Ouais, non. Ah, ouais. Et là encore, t'es dans le côté gentil de la toxicité, là. Qui regarde le nom du streamer même? Non mais vraiment, c'est n'importe quelle meuf dans les propositions MDR, elle est... Non, il y a meilleure streameuse. Ah oui, oui, ce serait séparé, bien oui, sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. La dogs. Mais il y a beaucoup de... Là, en vrai, de ce que j'ai vu, ouais, c'est grave, grave stylé, grave bon enfant. Et tu sais, genre, ils font une cérémonie en mode Oscar, quoi. Tu sais, genre, tout le monde se sape bien. Il y a des bureaux, enfin, il y a des tables, tu sais, genre, comme au Grammy Awards. Et du coup, c'est rigolo. Un peu en mode troll. C'est un peu en mode... En vrai, c'est un mélange de troll. En fait, c'est du semi-troll. En vrai, c'est cool. C'est genre... C'est en mode... Tu sais, genre, les awards, c'est des pipos. Ouais, ouais. D'accord. Et du coup, non, en vrai, la cérémonie est grave bien faite. Genre, quand j'ai regardé, moi je connaissais pas du tout. Et c'est depuis du coup que SMB. Je connaissais pas du tout. J'ai regardé et je t'en dis, c'est bien fait. J'avais maté l'année dernière parce que. Enfin, j'avais pas maté en entier, mais j'avais vu des trucs parce que Moist Critical, qui est un youtubeur que je suis et que j'aime bien, il avait été nommé et il avait pas pu venir. Du coup, il y avait deux sosies à lui qui étaient venus et c'était très marrant, je trouvais. Ouais, c'était rigolo. Ah oui, il avait ça, ouais, c'est rigolo. Allez, pingouin. J'avais regardé en 2022. En fait, j'étais tombé sur ça parce que. Non. Pourquoi il a pas pris catégorie meilleur streamer Smash. C'est bon, j'ai un pingouin. J'ai un pingouin dans les mains. C'est pas ma faute. Non. Putain, j'ai plus le pingouin. Vas-y, je vais le retenir. Oh non. Ah, je l'ai raté. Putain, mais vas-y. Oh non. Attends, mais le rouge, il est à nous, là. Ça, le rouge, il est Comment à ça, nous. Le rouge, il est à nous. Bah, non, mais on est dernier, la team. Oui, on est dernier. Les rouges sont avec nous, oui. On est 4. On est la team rouge. Attends, là, c'est bien. Ah non, c'est un bleu. Mais non, on est plus que 4 dans la team rouge. Mais on s'en fout de la couleur du pingouin, non? Oui, on s'en fout. Oui, la couleur du pingouin, on s'en fout. Et par contre, tu m'as foutu le doute au dernier moment. Putain, mais il est où le pingouin de ses morts? On est dernier, on va perdre. J'en ai un, mais je pourrais pas le garder. Voilà, je l'ai perdu. Ça y est. Je sais même pas regarder. Mais y'en a deux là. Là, y'a un pingouin. Ah, là, y'a des pingouins là. Oh, mais la game est FF. Oui. Putain, ah, en vrai, ça peut encore, mais. J'ai pas attrapé un seul. Ah, vas-y, Rayou! Vas-y, Rayou! Je suis le GOAT? Oui, putain, bien joué! On va camper Rayou là, non? Oui, je suis avec lui. Vas-y, Rayou! On va y aller à plusieurs. C'est bon, j'en ai un. C'est bien, Florence. Ça remonte vite, on est plus dernier. Ouais, c'est bon, c'est ouais, s'ils ont deux pingouins en même temps, c'est trop fort. Ah, dommage. Merde. Vas-y, JD! Ouais, ouais. Ah, j'arrive. Mais moi, ça baisse le mur quand j'essaie de prendre le pingouin, j'en ai ras le cul. Putain, je suis giga. Je l'ai! Ouais. Bien joué, je le grabe. Mais faut pas que je te grabe toi, ouais, c'est trop dur. Qui c'est qu'il a dans la mêlée là? Personne. Putain, on est pas. Allez, vas-y! Oh merde! Merde, bien non. Je l'ai eu hyper longtemps. C'est bon, bien joué! Eh putain, on est premier de très loin même! Premier, ouais.
Oh, ouais. Sublime. Ouais. Oui, la remontada. Énorme. Sublime. Oui, c'est organisé par Cutie Cinderella, tout à fait, qui est une streameuse américaine, absolument. Présentée par Patrick Timsit. Qui est très marrante. Elle est trop drôle, frère. Putain, ça m'a fait trop rire. Elle a joué contre Foolish sur Valo. Et à un moment, Foolish, il lui met une dinguerie, genre en 2v2. Mm-hmm. Et elle écrit dans le chat. Moi, ça m'arrive de m'envoyer en l'air, tu devrais essayer toi aussi. Ah oui. Et genre, elle lui a envoyé ça avec un poids. Parce qu'il l'a. Et en plus, il arrêtait pas de la cut. Alors que, genre, dis-toi que Foolish sur Valo, il est genre god tier. Mm-hmm. Et il joue contre des gens moins forts. Et mm-hmm. à chaque fois, il fait 50 kills et il trouve ça normal, ce chien. Bah oui. Et... Après, ouais. Après, ça doit être trop bien d'être fort à Valo, frère. Attends, faire quoi là? Prendre les anneaux? Ouais, tu connais Sonic ou pas le jeu? Oui. Sonic, oui, j'adore. Hérisson bleu. Okay. J'adore le hérisson. Oula. Bah, essaye d'être pareil, malgré le fait que, bon, bref, Sonic, c'est un peu gênant. Mais... spawn de merde que j'ai eu. Qu'est-ce que je dois faire là? Putain, mais merde. Ah là, j'ai pris des anneaux là. Je les ai tous loupés là. Ok, j'en ai pris beaucoup. Oh le bâtard. Devant le tuyau, ok, c'est bon, j'en ai le encore. Le bruit de quand tu beaucoup. Prends les anneaux, il est tellement satisfaisant. Bah, c'est le bruit dans Sonic. Ouais, c'est vraiment de l'ASMR en vrai. De façon de sub chez Horty là. Tu sais que c'est impossible d'aimer Sonic quand tu joues à Smash en vrai. Putain. Ok, c'est bon, c'est fini, c'est fini. Ah bon. Oh, bien joué! Oh. Gotesque! Oh lolo! Mais il y a une zone qui est broken pour les anneaux. Mais c'est compliqué d'expliquer où elle est. T'inquiète, j'allais pas te demander, mec. Final! Mec, en fait, elle est sur le côté à droite. Oh! OMG! Oh! Ça fait 1000 ans là, l'hexagone là, quand même. Putain, l'hexagone! L'hexagote? Ah, l'hexagote, vraiment. Qui est l'hexagote dans cette équipe? C'est Antoine. Moi j'étais pas mal sur ce jeu, j'avoue. Je pense Antoine est l'exagote. Sa map de cœur. C'est vraiment ma map préf, ouais. En vrai, c'est ma map. Mais là on est en équipe, du coup ça va être lourd. On risque de se mettre des bâtons dans les roues. En fait, c'est communiquer, en fait. On a peut-être l'avantage d'être en vocal par rapport aux autres, tu vois. Ouais, je sais pas. Je vais prendre mon temps. Tu penses que les autres sont trop pauvres pour avoir un micro? Il y a des chances, ouais. Peut-être qu'ils se connaissent pas aussi, peut-être ils ont tagué. Ah, tu pars du principe qu'il y a que nous qui nous connaissons? En vrai, c'est un peu abusé. Oh, mec, en vrai. Excuse-moi, mec, je suis toxique. Dégage, putain! Ok, bon, allez, vas-y, je vais là. Tu vois, là, par exemple. Ah. Par exemple, là, j'ai déruiné ma vie, tu vois. Voilà. Non, c'est moi. C'était moi. Non! FF, je suis en dessous. Vas-y, je vais devoir tomber également. Non, j'ai dit, tu me fous dans la merde. C'est bon, ah, oui, je me fous dans la merde. Mais là, on a qui? On a Antoine et on a d'autres gens, d'accord. Putain, dégage. Pas mentir, le début est pas si important de toute façon. Ouais, surtout la fin. Surtout la fin qui justifie les moyens, en vrai. Oh, je suis trop con. Oh, j'étais bien pourtant. C'est pas grave. Non! Ils sont trop chiants. Ok, Rayou, on va devoir se rencontrer un moment. Ouais, bah après, on peut se voir dans la vie, hein, ça me dérange pas. Bien sûr. Ah, dégage, dégage, toi, putain. Ah, le bâtard. Je suis au dernier étage. Ok. Mais je ne vais pas être l'hexagone, je vous le dis tout de suite. Rayou. Oh non, lui il est en face. Oh, putain. Jesus. Oh, non. Ouais, là, c'est impossible. Là. JD, c'est frire. Ah ouais, y'a plus que lui. Ah, y'a pas du tout. Oh, y'a. Mais oui, non, mais c'est gagné. J'ai gagné, je suis là. L'hexagone. Oh, je suis l'hexagone. Oh.
Étant toi l'hexagote, oh là là. Je suis l'hexagote. Sublime. Wouh. Sublime, bravo. 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 Tout simplement l'hexagote. L'hexagote. J'ai Shadowwin. Putain, il a Shadowwin. Il a imagé. Est-ce que t'as. En vrai, est-ce que ça t'arrive de Shadow Game dans ta vie, genre quand tu te balades dans la rue? Ça te. En fait, tu te dis pas quand je vais rentrer, ma partie de jeu vidéo va se passer comme ça. Exactement, mec. Non, mais en vrai, non, Orvan. Ah non. Ça t'arrive jamais. Les jeux à histoire, si beaucoup. Bah ouais. Ou même, moi, tu vois, genre typiquement, dans le train, ça m'arrive de me dire, ok, si je joue contre tel match-up, comment ça va se passer, comment la game va se passer. Ah non, je pense pas trop comme ça. Mais parce que aussi, je joue pas. Exactement le même type de jeu que toi aussi, je pense, peut-être. Du coup, je sais pas. C'est... Beaucoup, ouais. Peut-être ça aussi. Shadow Cheers. Après, on a Shadow Geoguessr, mec. Merci, dans les 1000 bits. On a Shadow Geoguessr à quel moment? Bah ouais. Bah, quand tu sais, on était dans le restaurant à fondue et que je t'ai dit les trottoirs sont noirs et blancs, les ah, oui. sont plutôt riches, oui. et que tu et que t'as trouvé Singapour, mec. On a fait. Bah, techniquement, c'était du Shadow Geoguessr. Oui, oui. C'est vrai. C'est vrai. T'as raison. C'est grave. Ouais, on s'amuse trop avec Étoile, ouais. Pardon, arrête. J'étais pas prête, j'avais pas fait gaffe. T'inquiète, Flora. T'es pas prête. Arrête, c'est trop bien de hang out avec moi. C'est vrai. C'est du sol là-haut. Ouais. Tu seras à Speedon, Rayou, ou pas? En tant que spectateur, ouais. Je pense. Toi, Florence, t'y es aussi? Ouais, j'aimerais bien. Peut-être pas les 4 jours, mais j'aimerais bien. Moi, c'est un événement que j'ai jamais raté en tant que spectateur. Je suis tout le temps. Mais tu sais que c'est à. C'est pas à Paris. C'est à Lyon, ouais. Bah ouais, mais qui dit Lyon me dit que je peux aller à Lyon et je peux faire le tournoi Smash le vendredi et ensuite aller dans le public. Bien sûr. Donc c'est parfait. Juste parfait. Bon, allez, la pitié. C'est quand? C'est en février. Fin février. Toi, ça te plairait de voir ça, JD, je pense. Attends, il y a peut-être un jour où je suis encore... Ouais, ça te plairait de ouf, JD, je pense. Tu regardes en live, d'habitude. Je serais peut-être encore au straight. USA, USA. USA. C'est dans quelle ville, ton truc, Rayou? San Jose, Californie. Ah, te trompe pas cette fois-ci. Ouais, je vais pas... Oui, t'avais pris San Jose. Au Costa Rica. Du coup, t'as été au Costa Rica? Ah non, t'y es pas. Si, t'y es. Ah non. En fait, j'ai annulé le billet la veille. Ah oui, ok. J'ai cru. Que... Dans ma tête, je sais pas pourquoi, dans ma tête, t'étais en mode. T'es allé là-bas, tu t'en es rendu compte en arrivant sur place, quoi. Ah non, ça aurait été. Pour arriver à l'aéroport. Oh, incroyable. Ça aurait été une catastrophe. En plus, en fait, c'était mon premier voyage aux US pour Smash, donc j'étais hyper stressé. Là maintenant, en vrai, je suis beaucoup plus détendu. En plus, je sais exactement ce que je vais faire là-bas. J'ai déjà les contacts pour cast et tout, donc je suis beaucoup moins stressé. Mais l'année dernière. J'en appelle à vous, la communauté, il y a un truc dans un aéroport pour les gens qui se sont trompés entre deux trucs, et genre c'est connu de fou. Ah bon? Genre, je vous dis n'importe quoi pour les gens qui voulaient aller en Islande, et en fait ils sont allés en Irlande et ils ont confondu ou un truc comme ça, et il y a un bureau dédié, ça vous parle? Ah ouais? Ah, ça me dit rien. Mais c'est pas ces pays-là, je cherche l'exemple. Australie et Autriche? Oui, c'est ça. Vraiment? Oui, vraiment. Putain, c'est une dinguerie de se tromper entre les deux, je trouve. Ouais, c'est une dinguerie. Après, non, mais c'est Austria et Australia, du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils se trompent. Ouais. Et du coup, il y a un bureau de gens qui se gèrent que ça, que les touristes qui se sont trompés entre Autriche et Australie, quoi. Putain, mais what the fuck. Donc, c'est vraiment deux pays qui ont rien à voir, en plus. Ouais, c'est... Slovénie, Slovaquie pour les lettres aussi. Ah ouais. Suède et Suisse. Putain, mais c'est chaud. C'est pas un mème. On me dit ça. En Florence, on me dit c'est un fake, hein. C'est faux. Ah ouais, c'est un fake. Oui, mais je vois trop pas les gens qui disent tiens, je connaissais pas la ville de Vienne en Australie. Enfin, je trouve ça trop bizarre en vrai. Comment il s'appelle le mec que t'as debunk, Florence? Je me souviens plus de son nom, il tombe en question par jour. Stéphane Bourgoin. Enfin, elle ne l'a hélas pas debunk, hein, finalement. Oui, tu l'as pas debunk. Non, Antoine, je l'ai quand même appris à beaucoup de monde quand même, hein. Ouais, mais tu dans ton cercle, quoi. Tu rends à Flo-Flo ce qu'il y a à Flo-Flo. Hein. Bien sûr. Mais j'ai envie de retourner le couteau dans la plaie, Antoine. Non, mais respect absolu, hein. Incroyable. Ouais, Antoine, t'as commencé à être un nerd dans quelle année? 1989, il me semble. Ok. De quoi? J'ai commencé à être une... En quelle année j'ai commencé à être une merde? Ouais. 1989 semble être le moment où tout a commencé, ouais.
Ah, t'es tellement fort pour compter les histoires, mec. Ouais. T'es littéralement le goat. Comment vous êtes concentré, la honte. Vous êtes... Non mais désolé là, je... Les goats n'existent pas entre Autriche et Australie. Donc c'est fake, hein. Comment vous êtes concentré, la honte. Ah, et Florence, tu savais d'ailleurs, si tu... Dans Pokémon, tu tournes 10 fois autour de la statue et après il y a Mewtwo qui apparaît. Ah ouais, c'est vrai ça. Ouais. Ouais, étoile, t'as vu ce qu'on vient de faire? C'est une dinguerie. On est vraiment trop fort. Hein. Attends, mec, je tombe parce que c'était trop facile en fait, donc il faut que je recommence. Alors fais gaffe parce que. Non, mais je. C'est mort pour moi. J'ai mis 1000 ans à tomber. Oh là là, c'est tellement mal. Oh, Ryu, il a pas qualifié du coup. Évidemment. Allez. Ah, oh, c'est mérité en vrai pour moi. J'en ai marre d'être le goût. J'en ai réellement marre. Bon bah Florence, hein. J'en ai réellement marre d'être une légende. Non mais c'est pas que tu m'as taunt sur Stéphane Bourgoin. Bon mais je t'ai pas taunt. La tenue a précisé que c'était pas moi qui l'avais débunk. Bah c'est pas vrai peut-être. Tu veux t'approprier le mérite d'autres personnes. Mais ça suffit Antoine, pourquoi être une merde comme ça au quotidien alors que tu pourrais être quelqu'un de sympa et tu pourrais compatir en disant oui c'est chiant qu'on t'ait coupé l'herbe. Oui c'est chiant qu'on t'ait coupé l'herbe sous le pied, t'avais du pif avant tout le monde. Dommage que tu sois trop lente. Tu peux le faire avec Et là JD t'as pas entendu quand il t'a dit ça. Encore moins sincère que ce que tu viens de me dire. Bon allez nique hein. C'est bon hein. Ouais. C'est une dinguerie d'être aussi malfaisant en fait, hein. Attends. Oh non, non. J'ai perdu parce que j'ai spawn à l'opposé. Non. C'est juste injuste. Oh non. Je suis à 3000 km. Je suis à 39% là. C'est énorme. C'est horrible. Ok. Y a aucun monde où je gagne. Ouais. Zéro monde où je gagne. Sur le rond de merde là. Oh non. 4 km de la lumière. C'est horrible. Plus, frère. C'est mort. Quoi? Ah ouais, on s'est vraiment. Ah, j'étais à 50% maintenant. J'étais genre à 65, un truc comme ça. Allez, c'est ciao. C'est ciao, on quitte. Oui, nous on n'est pas mort à la game d'avant, en voulant flex en tout cas, mais bref. Bah désolé de vouloir créer des sourires sur le visage de mes viewers en fait. Tu fais sourire personne mec, je te le dis. Il y a au moins 2 personnes qui ont souri et 2 c'est une victoire. Oui mais c'était pour un truc à rien à voir. Est-ce que vous souriez devant nos lives les gens ou vous êtes plutôt neutre en termes de faciès? Non, ils sourient je pense ouais. Merde j'ai lancé solo. Pas grave. Moi oui, je chiale, neutre, I'm a smiler. Je suis plutôt... Moi, je chiale mais à cause d'Antoine quoi. Seulement le tien, ah merci. Je me marre perso. Je crie, je jubile de rire. Perma sourire. Moi, je souris tout le temps. Attention aux zygomatiques, ça peut faire mal. Allez. Je jouis, a-t-il écrit. Moi, j'adore, apparemment. C'est quoi la question? Seulement pendant Hidden Cats, désormais, logique. Je meurs à petit feu, d'accord. Les gens mettent le smiley souriant de Twitch passif-agressif, là. Parfait. Il est horrible, celui-là. Moi, je l'aime trop. Any smilers in chat? Moi, j'aime trop. Hein. C'est mon smiley préféré. C'est mon emoji préféré sur Twitch, je pense. Je suis extatique, on me dit. Je souffle du nez de temps en temps. Très bien. Solo, tête sous l'eau, je me suis dit, c'est le moment. Melfire. Oh, je suis une merde humaine, c'est... Arrête le rayon de 2019, là. Non. Il est de retour. Non mais je suis mécaniquement tellement faible ce soir, genre. Juste à chier, les gars. Non mais je vous jure, je... En fait, je suis mécaniquement là, mais vraiment. En fait, je représente tout ce que je déteste chez un gamer. C'est-à-dire ? Bah, manque de douche. Faible, manque de mécanique, manque de prise de décision, nul à chier avec la manette, pas précis, Antoine, pas positif. C'est ma description, non, viens là. C'est... Oui. Non, ah oui, je vois ce que tu voulais faire. Tu voulais sauter sur ma tête ? Oui. Non ! Putain. Pour moi, le pire passage, c'est celui des balançoires, vraiment. Hein. Celui des balançoires, il est... Je trouve qu'il est en fait assez aléatoire. Dans le fait que ça se passe bien ou pas. Allez, vrai, à toi. Timing, mais bon... Voilà. Allez, je suis avec toi, Florence. Oh, t'es chaud, étoile ? Ta gueule.
J'adore tilter ce man. Ta gueule un peu. Mais non, je fais pas ça moi, je passe le genre. Dab. Oh, ils sont pas là, ils sont tellement nuls. J'ai jamais été plus totalement. Tellement nuls. Visiblement, Bourgoin a fait son mea culpa dans Paris Match. Oui, oui, parce qu'il avait été débunk au préalable. Vous voulez vraiment qu'on reparle de ça? Et d'ailleurs, c'était pas du tout par angle droit, d'ailleurs, je me souviens. Mais putain, mais ça casse les couilles! Il y avait marqué dans l'article. Une micro-dépression au milieu du confinement à force de lire ces récits de tueurs en série. Tout ça pour rien! Tout ça pour rien, tout le monde oublie que c'était moi qui avais trouvé le truc à la base. Dans l'article de match, il y avait vraiment marqué la première ligne, Stéphane Bourgoin, qui n'a pas été débunk par angle droit, nous répond aujourd'hui sur les polémiques. Mais je vous le dis, ça me rend ouf, putain. Il y a 4 mois de travail à mater des interviews en 0.25 pour pouvoir faire une retranscription, tout ça pourquoi? Pour rien. Comment ça, une interview de 0.25? Personne à pouvoir te vanter de ne pas avoir débunk Stéphane Bourgoin, en vrai c'est trop bien. On a envie de mourir. Mais en vrai, Florence, tu sais que faire des erreurs, c'est pas grave, hein. D'être nul, c'est pas grave. Ouais. C'est en vrai, on va pas tous au même rythme, Florence. Et toi, par exemple, bah, tu vas plutôt à un rythme lent. Tu sais que Florence, il y a le Larousse qui m'a appelé pour imager l'image, le mot médiocrité. Et en vrai, c'est pas mal, hein. Ah ouais. Si tu vas envoyer ta photo en PNG. Oh, Étoile, t'es mort en disant ça. Parce que j'avais pas ma manette, je suis le goat. J'arrive pas à me concentrer, vous êtes trop marrant. Ouais, allez, bro. Oh, c'est impossible de jouer au jeu. C'est impossible de rire. Jeu de merde. C'est... Florence, elle a pas envie qu'on débunk le fait qu'elle a débunké Bourgoin. Ouais, mais... Voilà, on rigole, Florence. La débunkeuse débunkée. Mon jet doc qui aura servi à rien, quoi. Mais t'as qu'à le publier. Non. Vends-le avec les. T'as plagié si tu le publies. Vends-le pour le The Event qui aura lieu la semaine prochaine. Putain, il a leak, putain, quel bâtard. Ouais, c'était peut-être le projet, mais t'as leak quoi. Putain, les amis, je dois faire gagner un maillot du PSG. Tu l'as Shadow Debunk. En vrai, t'as vraiment Shadow Debunk, hein. Putain, mais en vrai, ouais, c'est un peu ça. Hein. Non! Quoi? C'était un trou, nique sa mère! Ah oui, y a... Ah putain! Oui, bon, ouais, c'est bon, ouais, voilà. Pauvre Antoine et moi en soirée. Tous les deux. Putain, Rayou, c'était un trou, fais chier. Oh non. C'est pas fait exprès, putain. Je suis tombé dans le trou, les. Dans le trou, là. De... Putain, je m'éclate de fou là. Ouais, la game a l'air fun. C'est bon, c'est tellement on peut appeler ça des amis. Et en plus, je perds last minute, j'en peux plus, je suis à bout, je vais aller jouer des petits chats sur mon stream, ça garde les couilles. Elle est tombée dans l'eau avec son G-Doc. Oh, exceptionnel. Ah là là, le G-Doc de Florence. Bon, je vais sucer moi. Ouais, plein. Oh yes, encore une manche de 3 minutes. Ok. T'inquiète, tu pourras débunker plein d'autres trucs. C'est quoi le prochain truc que t'as envie de débunker, Florence? J'en ai une dans mon viseur de fou, j'en ai déjà parlé. Ah mais oui, tu me l'as dit. Ah c'est qui? Mais non, mais en fait c'est pas aussi croustillant que Stéphane Bourgoin, mais en fait c'est une meuf qui s'appelle... Comment elle s'appelle déjà? Allez, bon, ça commence bien le débunk. Pas, non, pas Paola, attends, je confonds toujours. C'est Nioli. C'est Nioli, N-I-O-L-Y, et en fait c'est la mode des faux millionnaires ou slash milliardaires sur TikTok qui font croire qu'ils sont giga riches, et je suis sûre que cette meuf c'est une arnaque ambulante, tu vois. Okay. Et en gros, elle fait croire qu'elle est millionnaire de fou, mais en fait elle vend des formations à la con. Un peu comme, comment elle s'appelle, la meuf dont il y a eu la série là? Oui. Margaret Thatcher? Non, c'est pas elle. Putain, j'en mettais la série en plus. Comment elle s'appelle? Inventing Anna Delvey. La série Inventing Anna, et clairement, c'est quelqu'un qui a, bah, qui s'est fait débunk de ouf par les autorités parce qu'elle payait pas. Et Nioli, je pense que c'est la nouvelle Anna Delvey, et c'est vraiment pas la seule dans le genre à être sur Insta et sur TikTok. Mais le pire, c'est que ça finit par marcher en fait. Les gens, ils aiment trop les millionnaires. Hein.
Mais je peux pas. Enfin, c'est moins intéressant à débunk parce qu'en fait, ça me paraît vraiment évident que c'est les fakes de bout en bout. Mais je me souviens, alors, tu nous disais vraiment tous les jours, il y avait un nouveau truc sur Stéphane Bourgoin à chaque fois. Tu nous disais, je m'en souviens, c'était insane. Ah, mais moi, je vous ai cassé les couilles. Hein. Rayou, on n'était pas proches à ce moment-là, mais JD et Antoine, je leur ai cassé. Et monté aussi. Monté aussi, ouais. Ils en pouvaient plus, hein. Ils ont subi l'enquête malgré eux, hein. Après, je pense que ça doit être addictif de fou en vrai, comme genre d'enquête. Ah mais elle ne parlait que de ça. C'était hyper intéressant parce que c'est vraiment le truc où tu tires sur un truc en pensant trouver une piste et t'en as 5 nouvelles qui s'ouvrent en fait. Le truc c'est que comme le sujet était hyper dur psychologiquement, c'était très dur et c'est pour ça que j'ai pris du retard entre guillemets sur la sortie de la vidéo. Parce que en fait il adorait donner des détails vraiment hardcore. Et au bout d'un moment, j'étais un peu en mode, je peux plus tanker, tu vois. Mais c'est vraiment un truc de fou parce que ce mec-là, il a fait croire à tout le monde que sa meuf de l'époque, elle s'est fait buter par un tueur en série. Ouais. C'est ça qui l'a emmené là-dedans. Ouais. Et tout ça, c'était faux. Je trouve ça trop glauque de mentir là-dessus, en fait. C'est horrible de mentir sur un truc pareil, ouais. Je trouve ça trop fou. Et c'est aussi un peu le problème, c'est que je voulais justement l'accuser d'avoir menti là-dessus, mais il fallait vraiment que je t'assure à 100%. Oui, parce que si. Oui, effectivement. Si montrait la preuve par A plus B, bah si ouais, t'étais meuf, dans la merde. Tu étais tué par un tueur en série, bah j'étais en mode bon bah c'est FF, fin de carrière, je retourne au gré de la fête, tu vois. Ouais. Oh, j'ai dit le goat. Merci Ravioli pour les 5 subs, merci beaucoup. C'est gentil, merci. Glauque mais malin car dur à parer. Oui, mais sauf que du coup, quand on lui demandait c'était qui le tueur en série en question, bah il savait pas quoi répondre, il me semble. Ah, mais tout le monde est éliminé, what the fuck. Non, j'étais qualifié. Non, il disait qu'il voulait pas répondre pour des questions de confidentialité parce qu'il voulait pas sa vie, etc. Ce qui était un argument qui était pas idiot en soi, tu vois. Mmh. Après, moi, enfin, à chaque fois, les gens ils me demandent, parce que je vois dans mon chat aussi, on me demande ça. Genre, j'avais pas prévu de faire un débunkage en règle de cette personne, c'est juste que je suis tombée sur son contenu, j'ai eu un doute et j'ai commencé à creuser et c'est là en fait. Dedans, c'est trop tard. Ouais, voilà, c'était pas un projet, j'étais pas en mode alors qu'est-ce que je vais débunk aujourd'hui ? Qui est-ce que je vais débunk aujourd'hui ? J'aimerais trop retrouver un truc comme ça, en vrai c'était hyper grisant. Non mais go t'intéresser un peu à Oussama Hamar, Florence. Oui, mais lui s'est tiré sur l'ambulance, lui. Un peu. Bah, apparemment, non ? En vrai. Bah, il est quand même populaire, hein. Bah, les gens disent que c'est pas une arnaque, hein. Ouais, go t'intéresser à Rivendi. Ça a l'air d'être un mythomane quand même. Je sais pas. Hein. Moi, je sais pas. Après, toi, toi, t'as un bandeur d'Oussama Hamar, toi, Étoile. Bah, je connais pas en fait. En fait, moi, sur TikTok, tu veux savoir ce que c'est, mais pour toi, TikTok ? Attends, regarde. Full Oussama Hamar. Que Oussama Hamar en boucle là, sur le TikTok d'Étoile. Mais TikTok, c'est principalement Kameto, Smash, cuisine, peinture, Inox Tag, peinture. Kameto, oh ouais. Smash, Slime. Eh bah écoute, je vois que je suis souvent sur ton pour toi, mec, ça fait plaisir. Ouais. Ouais, c'est pas très. Ouais. Mais moi, pour le coup, j'ai rien du stream ou de YouTube sur dans mes pour toi TikTok. T'as quoi ? Des trucs qui sont soit des trucs complètement absurdes, drôles, machin, soit des trucs qui m'intéressent. Ou soit beaucoup de trucs en rapport avec la musique, que ce soit de la MAO ou du jazz ou des trucs comme ça en fait. Ah ouais, du jazz. Mais du jazz moderne, on va dire, tu sais, un peu jazz fusion, la Snarky Pop et tout ça. Mais ça, c'est trop bien, le jazz fusion. Bah, c'est toi qui m'as fait découvrir, en vrai. Ouais, je connaissais pas trop où tu me montres. J'adore. Elle est tellement bien. C'est quoi cette... Putain, j'oublie à chaque fois. Celle que tu m'as montrée... Avec le solo de clavier incroyable, ouais, c'est ouais. Lingus de Snarky Puppy. Ouais, c'est ça, putain. Qu'est-ce que c'est Je vous conseille de regarder ça, les gens, d'ailleurs. Hein. C'est incroyable. Incroyable. André 3000, putain! On m'a fait découvrir pendant que j'étais au chalet il y a une semaine, là même pas, que André 3000 de Outkast, il a fait un album d'ambiance et c'était incroyable d'ailleurs. Et on m'a fait écouter, c'était incroyable. Ah, c'était lui ce ouais, qu'on a. Ouais. J'ai demandé du coup à Pedro et c'était André 3000 quoi. Pedro, incroyable. C'est vraiment le goût. Trop cool Pedro. Ah oui, c'est vrai, faut se faire propulser. Ça peut être un peu aléatoire quand même, hein. Oui. Aléatoire. C'est longtemps que j'ai pas fait cette map. Oui, ça fait plaisir d'avoir cette map. Une map que j'aime bien. En fait, je crois que mes maps préférées, c'est les premières maps en vrai, je crois. Genre les balançoires, mec, ça te manque un peu là. Bah, moi j'aimais bien les balançoires en vrai, ça va. Ça va. Balance, 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 balance. Début de CFF.
Si tu commences à la fin, pardon, c'est FF. Vas-y. Bien joué, le GOAT. T'es trop chaud, mec. Et toi, ouais, ouais, il est fort. Hein. Oh non, moi je suis nul par contre. Ouais. Oh non. Non, je gagne cette game, j'ai fait trop le malin depuis tout à l'heure. Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à me propulser? Saute très en avance. Oui, voilà, c'est ça. J'avais pas capté que c'était ça. C'est hyper dur là. Faut sauter très en avance. C'est bon. Allez, on les explose. Hein. Mais ouais, l'album d'ambiance de André 3000, vraiment trop bien. Ouais. Ok. Ok. Trop facile ce jeu. Trop sylpha ce jeu. Hop là. Il est sylpha, t'as raison. Comment s'appelle l'album? Je sais pas. J'avoue, je sais pas. Je pense que tu vas voir les trucs d'André 3000, c'est probablement des derniers trucs qu'il a sorti en solo. Putain, mais Assassin's Creed, il est trop nul. Eh, hey, Rayou, t'avais créé des maps, hein? Ah, New Blue Sun, on me dit. Sur Fall Guys? Oui, sur Fall Guys. Non, j'ai jamais. J'ai juste joué des maps, sinon jamais. Florence, on t'entend plus si jamais, hein, si tu parles, non, je sais pas. Moi, je suis en train de raconter un truc à mon chat, mais je peux vous raconter si vous voulez, mais Oui. Vas-y. Mais on parlait des gens qui sont un peu sus ou quoi. Et l'autre jour, je me suis intéressée à la Corée du Nord. Il y a pas mal de gens sus là-bas, je crois. Et je m'intéressais aux gens qui ont traversé la frontière, enfin qui ont réussi à s'échapper entre guillemets de la Corée du Nord. Ah, tu cherches un mytho parmi les gens qui racontent ça? Et en fait, je cherchais pas un mytho, je m'intéressais vraiment à comment les gens font pour quitter la Corée du Nord en fait, parce qu'il y en a quelques-uns quand même qui ont réussi. Pas avec un trampoline. Mais c'est vraiment chaud quoi, donc voilà. Il y a une meuf, où la façon qu'elle a de raconter les trucs, je trouve ça un peu étrange. Okay. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des doutes dessus, et c'est souvent, tu sais, la même personne qui est invitée sur les plateaux pour parler justement de la Corée du Nord. Ok. Et il y a d'autres personnes qui avaient réussi à s'échapper et qui disaient, mais en fait, je trouvais qu'elle racontait un discours qui collait vachement à l'imaginaire qu'on a de la Corée du Nord. Ok, je vois. Et j'avais trouvé ça un peu étrange, un peu dans le cliché, un peu, dans le cliché, je dis ça comme si je connaissais le pays, mais... Ça m'a un peu attiré l'œil et j'ai regardé sur internet et il y avait d'autres personnes qui disaient en vrai ça paraît un peu étrange comme discours. Ah, j'ai comme pas quoi, son nom elle par contre, pas. Mais si. Hein? Comme quoi en mode elle est jamais allée en Corée du Nord? Comme quoi elle serait pas nord-coréenne. En fait, et que son histoire est fausse et qu'elle fait ça pour la fame quoi. Ouais. Mais en fait. C'était comme t'avais une meuf qui avait fait croire qu'elle était rescapée du 11 septembre aussi. Oui, bah par exemple, tu vois. Typiquement. Mais ça, en fait, quand tu t'attaques à ces gens-là, si tu te trompes, putain, tu passes pour la dernière des merdes. Oh non! Ah non, ça va. Ah non, ça va pas, en fait. Mikata. Ne vous inquiétez pas, on est qualifié la team. Ouais. Le nom de la personne et son témoignage, vous pouvez le retrouver assez facilement, en vrai, si vous tapez... Ah oui, il y avait un gars qui avait fait croire qu'il était au Bataclan aussi, je m'en souviens. Bien sûr. Ouais, oh, ça me dit un truc, ça. Oui. Oui, dans le chat, vous avez le nom, là. Yeonmi Park. Mais je ne suis mais pas... Mais on me dit Papsan, là. On me dit que Papsan l'a interviewé, quoi. Ah ouais? Une dinguerie. What the fuck? En fait, j'ai regardé plusieurs de ces interviews et j'ai trouvé qu'il y avait des détails qui étaient vraiment étranges. Ok. Mais si ça se peut, pas du tout, non. Hein. C'est peut-être que ça se peut. Elle est vraiment... elle s'est vraiment échappée de Corée du Nord et tout, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient des petits doutes aussi. Mais ouais, la meuf qui a fait croire. Je me souviens qu'en plus, elle était genre présidente d'une association de victimes du 11 septembre. Ouais. Et en fait, c'était juste faux, quoi. En fait, je sais plus si c'était. Elle était rescapée ou elle avait perdu un proche. Je sais plus ce que c'est. Non, je crois que c'était qu'elle était rescapée en vrai. Je crois que c'était ça l'histoire. Je me souviens plus exactement ce que c'était. Mais genre, c'était vraiment le visage des rescapés du 11 septembre, je tiens cette meuf-là. Ouais, c'était vraiment chaud. Ah non, elle disait qu'elle avait perdu son fiancé, c'était ça? Ok. Et depuis le début, c'était un prank de Greg Guillotin. Oh non, Greg Guillot. Greg Guillot. Faites attention aux blagues sur celle-là, hein, si jamais. Oui, je vais faire putain, les amis. Gars. Tout à l'heure, j'étais un tournoi Smash, et il y a un viewer qui m'a reconnu, genre au début du tournoi. Ça va la star? Non, mais attends. Mais je sais. Et il m'a dit « Ah, mais tu joues à Smash, je savais pas !»
C'est le seul gars qui te connaît, mais qui ne sait pas ça. Donc ouais, je pense, les amis, je parle pas assez de Smash Bros. T'as vraiment un mec t'as reconnu et t'as dit ça? Et il y a trois témoins, donc c'est même pas une vanne. Genre c'est, je te crois à 100%. Non mais oui, il a vraiment dit ça. Il a dit, ah mais tu joues à Smash, je savais pas. Bah en même temps, tu fais pas que ça. Alors, non plus. Quoi. Il était vraiment très cynique et il était tellement bon. Ah non. En vrai, il était full premier degré. Donc, parce qu'en plus... Il... Hard Focus, là, je peux vivre ou comment ça se passe? En plus, il m'a demandé après, il m'a dit qu'il avait son meilleur pote qui était giga fan et il a demandé une photo. Ok. Il m'a demandé une photo en mode... Et du coup, ça se voyait qu'il était premier degré, genre qu'il me connaissait de nom, mais... En fait, il a dit en mode putain, je savais pas que tu jouais à Smash, ça m'a mis très bien. Mais après, t'as forcément des gens qui regardent, genre, par exemple, que la nouvelle culture ou quoi. Ouais, oui, bien sûr. Mais après, même dans la nouvelle. Oui, mais en fait, tu t'en parles beaucoup, no offense, bro. Jamais, je veux dire, même pour des. Je savais pas que t'aimais Mario, genre. Ouais, voilà. Tu forces. Après, je pense qu'il y a plus de gens qui savent que JD. Qui ne savent pas que JD aime Mario que de gens qui. Bon, bref, t'as capté. Bon, bref. Ouais. Faut vraiment pas faire d'efforts hein, pour le coup. Mais JD Mario n'est pas au centre de son contenu, tu vois. Attends, toutes les bandes Twitch, sur cette vidéo, c'est Mario. Oui, mais il y a plein de gens qui te regardent que sur YouTube, mec. Oui, bah toutes mes bandes son, comme elle vient de le dire, c'est des. Enfin voilà. Les t-shirts de toutes ces vidéos, quasiment, c'est. Oui, non, mais d'accord. Non, mais oui, ok, mais bon. C'est soit des trucs type North Face, Columbia et Zone de Marque ou Mario, quoi. Allez, l'équipe. Non, t'es mort. Non. Comment t'as fait? Si t'es mort, putain. Les héros ne meurent jamais. Je crois que t'es mort, ouais. C'est peut-être un héros, du coup. Il continue à vivre dans le cerveau des gens qui l'aiment. Ah ouais? J'espère qu'on va gagner. Mais je pense que oui. Mais bien sûr qu'on gagne. Ouais. Je me fais grab, mais il y a quelque chose de bien, là. Oh, Florence! Bah ouais, je me suis fait grab, du coup. Florence est dead, mais c'est bon. Très bon, c'est bon. Easy, c'est bon. Il y a quelqu'un dans mon chat qui dit je savais pas que JD faisait du YouTube il y a 2 semaines. Ah, ça par contre ça m'arrive souvent. Ah ouais? Ah ouais, dans mon chat il y a plein de gens qui disent ah mais tu fais des vidéos sur YouTube aussi alors qu'ils sont là depuis un an. Après c'est dit ça en sort pas beaucoup aussi donc c'est pour ça peut-être mais... Oui. Mais ouais pour moi bah, c'est surtout connu pour ça en vrai. Non en ce moment je passe plus de temps sur Twitch que sur YouTube mais oui. C'est la finale ou pas? Non. Non. Si forcément. Ah non c'est peut-être non. Compte de groupe. Non, c'est pas la finale. Ouais bah c'est 2 teams contre 2 teams. Et toi Antoine tu te lances quand sur YouTube? Moi j'y pense hein. C'est qui c'est toi C'est Rayou qui a la maladie. Ah c'est roleplay. C'est roleplay tout à fait. J'ai l'impression à chaque fois qu'on joue à ce mini-jeu avec lui ça tombe sur lui c'est quand même chaud. Ah c'est bizarre. Hein. Bizarre le jeu. Vas-y Rayou bonne chance. Florence. Tu bouges. Débarqué. Joueur de Chine. J'en ai intoxiqué, hein. Bien joué. Tellement toxique, le bro. Oh ouais. Bravo pour la toxicité, Rayou. Oh non, il vient me voir. Le mec que t'as intoxiqué veut m'intoxiquer à son tour. Oh non, mais les développeurs ont pris de la... Ils en ont pris ou quoi, là? J'hallucine. La musique de baisse, ça aussi, c'est une dinguerie. Oh non. Ok, le mec est nul. C'est vrai que le mec est nul. Oh merde. Je crois qu'on est nul dans notre team. Ah, grabez-le. Je sais pas où t'es. Bien joué, étoile. Ah, on avait un de retard, ok. Oh, étoile. Oh non. Merde, tu trouves une merde. Moi aussi, je me suis fait avoir. Ah, on s'est fait avoir tous les deux en même temps, comme des bleus, si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. À notre couleur. À la couleur des bleus, ouais, tout à fait. Et... Si là j'en réchappe, il y en a 3 sur moi. On est mort, il reste plus qu'un. C'est Florence. Grabaise-le. Non. Non, c'est oh. Mais j'étais le seul à intoxiquer. Pour les 1001 bits. Oui, t'étais le seul. T'étais le seul à faire des kills, littéralement. Mec, t'es trop toxique. On quitte. Mais cette équipe se fout de ma gueule ou quoi hein? C'était bien le Parc des Princes, au fait, mec? C'était exceptionnellement bien. J'ai adoré le live, c'était trop cool. Et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien, donc j'étais très content de le... Trop bien. Il y a eu vraiment, c'était très cool. Le Kamel il a kiffé aussi. Et Kamel a adoré. La visite était bien. En même temps, s'il avait pas aimé, il dirait pas en live que Kamel a détesté. Non, vrai. Évidemment. Bah en vrai, si. Je pense que je pense que si Kamel avait pas aimé, je l'aurais dit. En vrai, je trouve que c'est important dans la transparence de dire bah ouais. Il a... Moi, par exemple, tu vois, j'ai haï le musée d'Orsay. Tu l'as jamais dit, tu vois, par exemple. Tu vois. Ah, et t'étais là, t'étais gaga. Tu prenais des photos, t'étais en mode waouh, espèce de suceur. Là. C'est vrai. Chou, Florence, il faut que tu viennes dans le lobby. Florence ?
Ah putain, j'étais en train de spectate une saucisse et du coup j'étais en mode bah ouais, je suis pas dedans. Oh, alors ouais. Revenons au jeu, Florence. J'adore respecter cette saucisse là, franchement. Spectate la saucisse. Une drôle de façon de dire que tu mates du porn, quoi. Bah écoute, quelque chose d'assez normal, hein. Tout, 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 j'espère que le Louvre ce sera bien aussi. Mais je pense que ça va être rincé. Donc voilà. Non, ça va être trop bien. C'est impossible que ce soit nul. Oui, après, faut juste que ça. Comment dire, bah, qu'il n'y ait pas de problème technique et ouais, c'est bon quoi. Pas de problème, voilà. Mais ouais, on a fait beaucoup de tests et tout, donc ça devrait le faire. C'est quel jour le Louvre déjà? Samedi? Samedi. Samedi. Samedi 20h30. Je ne serai pas en live. Tout va bien. Ouais, je pense que la visite en plus va être un peu longue, donc c'est cool. Non, le Louvre, ça se fait quoi en 1h30 si tu traînes la patte, je pense. Ah ouais. Tu sais, après, c'est le problème parce que vu que. Tu sais, genre, quand tu te balades un peu seul dans un musée, tu te poses et tout. Là, il y a un conférencier qui te parle H24, donc quand c'est long, peut peut-être avoir moins de concentration. Plus Philippe, il est trop chiant, c'est une dinguerie. Oh mec, mais Philippe au Louvre, ça me rend tellement heureux parce qu'on l'a amené dans des musées où il maîtrisait moins, tu vois. Et là, on le ramène. Ah dans... bah j'ai vu ça à Orsay, hein. Il travaille où là-bas? Et c'est au Louvre, pas... normalement. Mais en fait, il fait plein de choses différentes. Il fait plein de choses différentes. Mais genre, du coup, le musée qu'il connaît le mieux, c'est le Louvre, quoi. Mais samedi, je peux pas. Je pense souvent à ce que je ferais si jamais demain tout s'arrête, tu vois. Non pas que j'ai envie, c'est juste que j'ai besoin d'avoir cette hypothèse pour pas être le bec dans l'eau si jamais ça arrive. Et en vrai, j'aimerais faire de l'histoire de l'art ou un truc comme ça. Ça me ferait trop kiffer. Incroyable. Dans un musée souvent. C'est tellement bien. Je suis tellement. C'est avec Léna Situation qui le fait samedi. Oui. Avec Léna. Léna. Absolument. Le Louvre, c'est son main, putain. Bah, ça. Mais c'est vraiment son main, hein. C'est un joueur Louvre, Philippe. Il était trop cool, Philippe. Trop sympa. En plus, il m'a dit après le live qui était l'actrice qui avait été insupportable au musée d'Orsay. Ah ouais. Du coup, je suis trop content. Il m'a reveal des secrets, là. Il a tellement d'anecdotes. Et je peux pas le dire, du coup. Là, j'ai les inside. C'est qui? Bah je vais pas le dire. Flexeur de merde et maintenant on a envie de savoir. Bah ouais. Non mais si tu veux, je te le dirai si tu veux, Florence, mais je le dirai pas en live. Oui mais la commu là maintenant, ils avaient oublié cette info et ouais, tu mais voilà. Réagité sous le nez en disant mais de toute façon vous saurez jamais. Bah oui. Si Philippe m'a dit tu peux le dire à ta commu, j'aurais dit le nom de l'actrice en question. Ah oui, mais tu les as retisés pour rien les pauvres. Indice, elle a joué dans des films. C'est vraiment, tu sais, t'es en soirée avec des potes et tout, et puis d'un seul coup, t'as un truc qui dit non, mais je te dirai plus tard. C'est devant. Bah non, je leur dirai pas plus tard, je leur dirai jamais en fait. En vrai, c'est vraiment pas cool pour Marion Cotillard, mais bon. C'était pas elle. C'était pas elle. Non, c'était une actrice largement moins connue. Oui, c'est une actrice. Je pense que plein de gens dans le chat connaissent pas. Elle est connue, mais c'est pas Marion Cotillard, quoi. Je veux dire, c'est pas au niveau d'une Marion Cotillard. Vraiment pas cool pour Alexandra Lamy. C'est pas elle. Tu vas toutes les tenter jusqu'à ce que... Il y en a pour un petit moment, quand même. Et oui, il y en a pour un petit moment, ouais. Ah oh On joue en team. Ah. Putain, bien joué les gens, c'était effectivement Samantha Oops. Bien joué la team. Ils sont perspicaces. Hein. Mais vous êtes forts, putain. Attends, mais Antoine, t'es encore réveillé à 1h30, mais... Mec, je suis toujours réveillé à 1h30. Petit Trackmania après Florence. C'est juste que je suis pas en live. J'ai fini mon live après Rayou. Quoi? Wow, la goutte. Ah non, mais hier c'était mardi. Ouais, en fait, oui. Hier j'étais au Parc des Princes. Oui, mais t'as fait QSMP après. Ouais, après je suis revenu, j'ai fait une nocturne. Ah, voilà, oui, mais j'ai fini après toi. La goutte. C'est un achievement sur Twitch, hein. Bah, j'ai eu un succès, dis-toi. Quelqu'un dit Mimi. Mimi Mati a jeté sa merde sur les tableaux infos sur. Non, mais les gens, c'est bon. Sûr en vrai. Mais l'info est sûre de ouf, hein.
T'es pas cool pour José Angegarde, quoi. On finit sur un petit top ou non, s'il vous plaît. Ouais. Ok, ok, vas-y. Courant, 3-4 heures de Trackmania après, vite fait. Allez, c'est parti. Oh, je vais me lancer. Tu parles de Laurent Wauquiez toute la soirée, là, j'ai trouvé. Oh, le game de LOL. Hein. Oh, non, pas cette merde de map de merde. À 5 heures, j'ai une petite custom Valo. C'est à 5 heures que tu dois faire ça avec Foolish. Ouais, c'est pas une vanne. Oui, non, mais je sais bien que c'est pas une vanne. C'est pas une vanne en plus. Non, c'est pas une vanne. En fait, en ce moment, je me couche très très tard parce que je full tryhard question pour un champion. Du coup, je. Enfin, tu tryhard question pour un champion, quoi. Enfin, mec. Ça te fera du bien, là, un petit peu, parce que. Bah, tu sais qu'en vrai, les 2 semaines de train que j'ai fait hors live, ça m'a rattrapé 2 ans de ce que j'ai fait en live, mec. Hein. C'est tellement plus. En fait, réviser hors live question pour un champion, c'est tellement mieux. Je triche. Ah non, Rayou, on va se hint. Non, on peut pas se hint. Rayou ? Ouais. À quel point il y a des gens qui se sont passionnés par QPUC. Non, c'est une catastrophe ! Et qui ont décidé de s'inscrire. Tellement vrai. C'est que Samuel m'a dit que c'était abusé, que depuis que je faisais la culture, là en ce moment dans les tournages qu'il fait, à chaque émission, il a au moins quelqu'un qui dit qu'il a regardé la culture une fois. Moi j'ai jamais regardé. Même lui il hallucinait sur ça. Jamais regardé. Parce qu'en fait, que je me dis, tu sais, des gens qui commencent à regarder vraiment la nuit de la culture et tu sais qu'il y a. Vraiment. Mais de là à vouloir s'inscrire en club et se dire vas-y, je tente l'émission, c'est un investissement de fou quoi. J'ai fait n'importe quoi parce que j'étais focus sur ce que je disais. Voilà, je suis merde. En fait, il y en a beaucoup et le truc qui me surprend aussi, c'est le fait que les gens regardent beaucoup sur YouTube. En fait, les gens regardent beaucoup plus sur YouTube qu'en live. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est ton plus gros contenu YouTube, non, enfin, dans tous les cas. Puis c'est celui où t'as le plus de contenu aussi, tout court. Ouais, c'est celui qui est le plus regardé. Ah, je dirais. Bah, merde. Ouais. Oh non, Rayou. J'ai gagné la team. Moi, j'ai un très bon ami à moi qui s'inscrire à N'oubliez pas les paroles et je trouve ça très fascinant comme training. Il s'appelle Nagui. Il s'appelle Nagui, tout à fait. La grosse Nag. Je pense qu'ils vont le prendre. Hein. Nagui, ouais, bien sûr. Mon pote qui a participé aussi et c'est assez fascinant de voir la façon qu'ils ont s'entraîné parce que si tu dis là à la place de une, bah t'es baisé. Ah, c'est perdu, ouais. Putain, c'est que des trucs de merde. Oh, c'est trop. Ah ouais, vraiment. 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 Merci Redfields pour les 3 mois. Des bombes et modes, c'est 3 mois, merci beaucoup. Exakil qui me dit c'est ok comme émission. Exakil. Je crois. Putain, Exakil, putain de merde. Un peu à chier perso, mais. Il a gagné combien? Je crois qu'il a gagné 200. Dans 30 000, je crois. Putain, t'es riche, Exakil. Hein. Putain de merde. Bravo, hein, encore. Hein. Je crois qu'il a gagné. Ouais, non, il a gagné plus que 130, non? Non, il a gagné 359k. Ouais, il est dans mon chat, il va te répondre, je pense. Il a gagné 359 000. Attends, il y a 3 durians et 1 berry. 2 berries. Non. Enfin, des myrtilles, quoi. Mais en vrai, du coup, quand il y a eu ma pote qui passait, durian, qui regardait... Durian, Florence. Durian. Mais merci, Durian. Oh non, JD, what the fuck. 38 euros, c'est bien, ouais. Mais JD a hit la game. JD a hit la game. Exactly, il a gagné 358 euros. Ouais, 358 balles. 4 durians, une myrtille, 2 bananes. Sauter dans le mucus, mec. Mais pourquoi t'as fait ça? Bah, je pensais qu'il s'enlevait plus tôt. C'était trop cool. 4 durians, 2 myrtilles. Non, 2 bananes, une myrtille. 4 durians, 2 bananes, une myrtille. Non, mais c'est perdu, hein. Non, attends, tu vas voir la dingue. On va essayer d'éliminer. Alors, baiter tout le monde, ça peut le faire, mais. Ah, et bah, je suis mort, voilà. J'avais oublié ce que c'était, voilà. Attends, c'est pas mort. Si, c'est mort. C'est pas mort du tout, mec. Non, c'est pas mort. C'est loin d'être mort, même. C'est très très loin d'être mort, mec. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas mort. C'est loin d'être mort. C'est pas mort. C'est très loin d'être mort. C'est là, on est. Je pense qu'on est qualifié en vrai. Ouais, je pense aussi, ouais. Évite la gélatine, juste. Évite la gélatine. Florence, t'en as pas marre de porter cette équipe de merde sur ton dos? Parce que moi, c'est un peu mon cas. Ça va et toi? Attention, je tente le play. Oh, le play est tenté. Oh non, on a perdu! Putain, vous avez hint, étoile Florence, là, sur la fin, là, je trouve. Tellement hint, en vrai. Bon, quitté. Ça sera ma dernière. Ouais, j'ai pas fini sur N'oubliez pas les paroles, mais du coup, j'ai regardé l'émission avec quand il y avait ma pote qui était dedans, et je me suis dit, je pense que de toutes les émissions de télé, je pense que c'est celle où je pourrais le plus partir d'un bon pied. En fait. Impossible pour moi.
Genre tu te trompes sur un le ou un un, c'est loose. Ah mais non, mais je n'ai pas dit que je gagne demain, hein, mais juste à choisir entre toutes les émissions, c'est celle où je pense que je m'en sortirai le mieux. Merci Fablou hein, pour les 20, 35 mois, merci beaucoup. Ça sera ma dernière, que l'on perde ou que l'on gagne, mais on va gagner. Non, on la gagne, sinon c'est pas la dernière. Ah bah désolé, mais ce sera la dernière sans moi, mec. Bah t'avais signé, en fait. J'ai pas signé, j'ai rien signé, mec. Oula, bah j'ai des preuves. J'ai rien signé. Je pense que je me suis suffisamment bien entraîné pour demain. Je pense que je peux faire top 1 easy. Ouais. On va faire top 1, top 2, top 3, top 4. Je pense que mon meilleur jeu serait à prendre ou à laisser. Moi, je sais pas ce que serait mon meilleur jeu. Je connais pas assez bien les jeux télé, j'avoue. À prendre ou à laisser, ça existe plus, si ? Je sais pas. Je vois même plus. Ah si, c'est les boîtes. Oui. Il y a des jeux full RNG à la télé, à part les trucs genre l'auto et tout. Bah ça, c'était full RNG, justement, à prendre ou à laisser. Ouais, voilà. Mais il n'existe plus. Mais je sais pas. Enfin, je crois pas. Non, ça existe plus. Avec Arthur qui masse les meufs, là. Oui. Ah, la bonne ambiance. Et c'est exactement ce qu'a dit Farah dans mon chat depuis le moment où tu l'as dit. Ryu, t'es mute si jamais, je sais pas si c'est normal, mais... Je pense que oui. En tout cas, il l'est depuis le début où il est arrivé, je tiens à le dire. Ouais. Je trouve ça bizarre de join notre game pour pas parler. Oui, le mec est bizarre. Ryu est muted. Hop là. Non, c'est bon. Il va pas se mute pendant la game, quoi. Effectivement. Il pourrait le faire, en vrai. Là, il va pouvoir bientôt. Ah non, il y a pas le... Si, je pense qu'il y a le temps. Hein. Là, putain, mais les gens... Mais cliquez le bouton. Putain, mais des balançoires de mort. J'ai l'horreur. Il est en tryhard, no mic, no cam. Let's go. Quand tu parles de lui. Oh, j'en ai marre. Oh, et toi, à l'aise, bravo. Hop là. Et rebonjour à tous. Heureux ? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Ryu ? Un petit souci de doigt qui ressaignait. Ah, d'accord, ok. Putain, mais tu t'es vraiment blessé, en fait. Mais je te jure, ça me tiltait trop, là, ça va, je commence à m'y habituer. Non, mais tu t'es vraiment fait mal, en fait. Je pense pas que c'était à ce point. Tu te l'es fait en live ou hors live ? Non, c'était hors live. C'était juste avant de partir au Parc des Princes. J'ai fermé ma porte et je me suis... En fait, En gros, je me suis refermé sur le doigt et... En gros, dis-toi que... Trois trucs de papier toilette ont été remplis genre, de rouge de sang. Ouais. Et ensuite, genre, j'ai paniqué. Je suis allé dans mon épicerie à côté. Et mon épicier qui me connaît très très bien, il m'a donné... En fait, il m'a fait un strap au début. Et ensuite, je suis allé à la pharmacie et... Ah ouais. Parce qu'en fait, mon épicier était plus proche que ma pharmacie. Mais ouais. Putain, mec, c'était fait ça en live le clip de fou. Quel dommage, en vrai. Ouais, putain, mais mec... Après, t'aurais... Non, en vrai, t'aurais été ban pour self-harm et le loup, c'était dead. Ça aurait été pas de chance. Ouais. Tu sais qu'hier, j'ai pensé au clip de fou parce qu'on était sur le toit du Parc des Princes et ça glissait de ouf. Putain, mm-hmm. T'imagines, je glisse du toit du Parc des Princes et je tombe. Oh, le clip. Quel clip. Mec, le content avant tout, mec. Arrête. Putain, j'aurais dû tomber, mec. Le content, mec. Pas. Ou tu pousses quelqu'un, mec, je sais pas, genre... Je sais vraiment pas faire de contenu sur internet. Mais ouais, mec. C'est vraiment frigo. Bon, c'est pas grave. Non, mais c'est cool que t'ailles bien, quoi, mais bon, quand même, le contenu, quoi. Ouais, le contenu, quoi. Bah, c'est ce qui compte, mec, au bout d'un moment, ouais. On s'en bat les couilles, hein. Bonjour, monsieur l'épicier, je n'ai plus de doigts. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Vous inquiétez pas, je suis le GOAT. Ok, vas-y. Ok. Ne vous inquiétez pas, je suis en full GOATing là. Ne vous inquiétez pas. Full GOAT. C'est laquelle, celle d'après là ? Deuxième en partant de la gauche. Bien joué, et celle d'après ? Mortal, Antoine. Toujours la même, deuxième en partant de la gauche également. Ouais, non. Perdu. Putain. Et là, je reste le GOAT. Centre, 3, centre, hein. Centre, centre. Non, c'est la 3, non ? Oui, t'as raison. Bien joué, le GOAT. Mm-hmm. Merde. Ah, je finis devant Antoine. Bah ouais. Loin devant d'ailleurs. True. Antoine plus 15 points, le mec troll en vrai. Ça va, on est calife. En plus c'est la dernière game, mais est-ce qu'on peut faire un top 1 pour la... Mais bien sûr qu'on va faire un top 1. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre?
Dire top one, c'est quand même un truc de fou. Top one, ouais. Ah, oh, j'ai fait top one, les gens. Yeah, check this out. J'ai fait top one, là. Yeah. J'ai voulu faire top 1 sur l'âme d'aucun copain. Sur la puissance. J'ai voulu faire top 1. Sur la puissance d'un forain ni le charisme d'un vilain. Ouais, j'entends top 1, j'ai ce brainworm dans ma tête pour tout le monde. Pareil, c'est... désolé, vraiment, c'est de la faute, c'est de la faute à la Squeeze. Je suis un peu responsable de ça, je pense, en vrai, Antoine. En vrai, le vrai responsable de ça, c'est Squeezie, hein, je vais pas te mentir. En vrai, c'est vrai que le responsable original, c'est Squeezie. Voilà. Mais. T'as une part de responsabilité assez huge là-dedans aussi, quand même. Pas dans la chanson de base, hein. Vraiment, je n'ai eu aucune participation dans... Non ! Oh non, c'est une cata ! C'est une merde ! Oh, c'est ouf d'être une merde pareil ! Non, arrête de dire ça, Florence. Non, c'est vrai, non, mais c'est vrai, il y a un moment... Non, elle a raison, elle a raison. Florence, est-ce que tu peux arrêter d'être négative avec toi-même parce que c'est très mauvais ? En plus, dans le lore de ma chaîne, il y a une brigade anti-autodépréciation. Bah ouais. Et je suis la pire de ce côté-là. Je suis pas sûr que ce soit la pire en vrai, ne serait-ce que dans ce vocal, tu vois, je sais pas. Pourquoi tu t'es senti visé, mec, si c'est pas toi, mec? Il a beaucoup progressé. Tu parles peut-être de JD, tu sais pas, ou de moi, tout simplement. J'ai progressé de ouf en vrai. Non, c'est sûr qu'on parle pas de toi, hein. Sur l'autodépréciation, y'a pas de risque. Effectivement, vu que je suis le GOAT. En fait, non, ok, je vais vous expliquer clairement. C'est juste que je suis ni trop objectif avec moi-même, et vu que je me connais pas. Je suis ni trop objectif avec moi-même. Genre, oh non, je suis mort! C'est jamais de l'autodépréciation, c'est juste de la connaissance parfaite de qui je suis. Et ça, les gens ne comprennent pas, tu vois. Les gens pensent que c'est de l'autodépréciation alors que juste je connais par cœur. Et on est tous morts, mais je crois qu'on a quand même qualifié. Ça passe large en plus. Ça passe. Je l'art même, je dirais. Ils savent pas qu'il faut crever pour que ça s'arrête, sinon ça s'arrête jamais en fait. Non, tu dois quand même avoir un timer, je pense. Ouais, mais il est en très longtemps, le timer. Ah! Un peu malaise, là. Il est horrible, ce skin, avec cette coupe de cheveux, là. Ah ouais? Horrible. On dirait un gland. Oui, un peu, mais... On dirait un prépu. Un prépu. Putain, moi, c'est comme ça que j'ai envie d'appeler mon fils. Prépus. Ouais, je l'appellerais prépu, je pense. C'est vraiment ça. C'est un peu romain comme nom, tu vois. C'est comme Caius, tu vois. Caius Prépus. Ouais. Et vous saviez qu'il y avait quelqu'un qui avait appelé sa fille Clitorine? On me l'a dit une fois, c'était un cousin qui connaissait. Ah ouais? Putain. Moi, c'est mon parfum préféré de glace. Clitoris? Clitorine? Ouais. J'aime trop ça aussi. J'ai eu le jingle quand j'ai dit ça, c'était trop bien. Putain, tu bois de la limonade de chatte, mec? Oh non! Bah, en vrai, un vrai, oui, hein. la fameuse limo chat, ouais, tout à fait. C'est... Oh, on peut rigoler, oh, c'est bon. Bah, c'est un peu... Très bon, bah, c'est l'heure, hein. C'est l'heure pour la limonade. Et toi, c'est un peu notre Jean-Marie Big, quoi. c'est parce qu'il est diabétique de type 1. Il est diabétique, Jean-Marie Bigard? Ouais, il est diabétique, de type 1. Ouais. Et pourtant, il est à fond sur l'alcool, pourtant. Ouais, mais il est diabétique de type 1. Ah, bah, ouais. Je vous avais raconté cette anecdote il y a très longtemps où j'allais regarder, quand j'étais plus petit, j'allais dans le public d'On va se gêner et je regardais. Ah ouais? Et un jour, en fait, je suis dans le public et je me mets à... Comment il était la ruque, quoi? Bon, c'était sympa, regarde. Ouais, bien sûr, j'imagine. Ouais. Et je me piquais avec un stylo à insuline, et il y a des gens dans le public qui me regardaient comme si je me piquais avec de l'héroïne, en mode c'est bizarre, tu vois. Le mec dans le public de l'émission qui se pique à l'héro, quoi. Ouais, c'est ça. Putain, mais tourne la cam. Et Bigard, il se rend compte que je me pique, et il se rend compte que les gens dans le public regardent, il dit vous inquiétez pas, c'est de l'insuline, il va pas se mettre un truc dans le cul, hein. Et il a dit ça. Par rapport, t'avais quel âge quand il a dit ça? Je crois que je venais d'avoir 18 ans. Ah. Il venait d'avoir 18 ans. Ouais. Il était beau comme un enfant. Ah bah, et il t'a fait une bigarre, quoi, bien sûr. Hein. Il m'a fait une bigarre. Ouais. Putain, mais t'as eu une bigarre. T'as eu une bigarre rien qu'à toi, mec, en vrai. C'est quand même un truc de fou. C'est vraiment un privilège de ouf. Ouais, ouais. La chance. La farandole à toi tout seul, quoi. Oh putain, JD, t'as failli me. C'est pas la farandole, c'est quoi le terme de la vidéo là? Le florilège. Le florilège, j'avais pu. Dont est tirée ma célèbre chanson Big Heart, un classique, hein, que je vous conseille de réécouter, bien sûr. Bien sûr, qui t'a fait découvrir au public anglophone, on rappelle aussi.
Ah oui, j'ai fait découvrir Iron Mouse, bien sûr, évidemment. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il est drôle, Mouse. Tu qualifies en plus. C'est ma petite préf, je pense. On a besoin de qualifier. Ah, mais Ryu est pas mort. Non, je suis pas mort là, team. Un de vous deux, un de vous deux. J'ai peut-être fait de la merde, hein. Non, 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 en vrai, si l'un de vous deux se qualifie, je pense qu'on est qualifié. Oh, mais moi, vous inquiétez pas, j'ai même pas besoin d'ouvrir les yeux, je pense. Non, non, non. Ah, quoi ? Merci, Ryu. Ah, mais je savais pas. Même non plus, je savais pas. What did you say ? What did you say ? Je savais pas qu'il y avait un timing, my bad. Ah mais c'est my... My bad là-dessus. Bon allez, moi je vais vous laisser, je commence à être dead. Et bah bonne nuit le goat. Merci le goat. Merci. On aurait bien une der de ce der. Bah moi j'y vais, vous la faites tous les trois. Oh, non. Ah non non. Une dernière. Bon la vraie der, ok, allez. La vraie der. Allez, la vraie de vraie. La vraie der. Attends, les 2h du mat, ça veut dire que j'aurai le temps techniquement pour 4 games de LOL, ok. Allez, la vraie der. La team. Merci Mademoiselle Fox, pas pour être très moi. Co-life, le prime. Ah oui, petite team pour finir. Solo, petite solo, non ? Bon, solo alors, vas-y. Tout le monde puisse jouer, non ? Ok. Ah non, okay. T'es dans tout. Non, bah oui, en fait, la team c'est plus cool parce que si quelqu'un se fait éliminer tour 1, c'est un peu nul vu que c'est la der. Tu as raison. T'as raison. Voilà. Non, mais je les amis. Par contre, Ryu et Florence, faut que vous vous mettiez prêts, je vous en supplie par contre. Si, si, mais c'est éminent là, c'est juste l'ordi qui lag, je pense. Je vous en supplie par contre. C'est juste l'ordi qui lag un petit peu parce que j'ai une 4080 et pas une 4090, tu comprends ? Oh, les pauvres. Je peux pas quitter l'émission. Quand je vais quitter, ça marche pas. J'adore Freddy. Start, plus. C'est quoi ce jeu, frère ? J'arrive. Ça marche pas ? Je clique gauche littéralement et ça ne marche pas. Quitter rejoin. Et ça. Oh non, je dois quitter le jeu, la flemme. Oh, ça ne marche pas. Ah, désolé, Antoine. Bah attends, on attend qu'ils reviennent. Lancez à 3. Non, non, non. Mais non, reviens. T'attends. Ok, j'arrive la team, faut me réinviter. Pour sucer vite fait, là. J'attends que tu sois dans le jeu. Non, parce que la basse de la musique de Fall Guys, elle est insane, je trouve. Oui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je la trouve vraiment incroyable. Quoi ? Non, mais. La manière dans laquelle tu l'as dit, on dirait trop de ça, un mec genre dans un bar jazz. Ah oui, en vrai la basse dans la zig de Fall Guys, elle est vraiment insane quoi. C'était un peu snob sur les bords. Bah moi j'aime pas trop le jeu vidéo, mais est-ce que t'as déjà entendu la basse? En plus ouais, le seul truc qu'ils connaissent c'est la musique de Fall Guys qui est vraiment une musique de débilos quoi. Moi le jeu vidéo je suis pas vraiment fan, mais est-ce que t'as déjà entendu le bruit que Mario fait lorsqu'il mange un champignon? Oh franchement le rou, franchement c'est une dinguerie en vrai. Oh, en c'est une dinguerie. Putain, en vrai j'ai vu l'orchestre philharmonique de Tokyo jouer le bruit du champignon là, c'était ouf. Oh, ça faisait trop plaisir. Putain. J'adore la trompette dans le jazz. Oh, Ishiria joue moison. La trompette. C'est une musique, de 60 ans. Merci. Vous pouvez appuyer sur le bouton. Étoile, angle droit. C'est une dinguerie de l'appeler angle quand même. Excusez-moi. C'est une dinguerie de l'appeler angle. Pourquoi ? Mais oui, il l'appelle angle quoi. Angle droit. Ça s'appelle angle. Ça s'appelle pas angle, frère. Ah, t'as changé ton skin, Ryu. Ouais, j'ai décidé d'être le GOAT dans cette game. C'est marrant parce que ton personnage, j'ai l'impression qu'il est plus petit que les autres, mais c'est parce que juste que t'as pas vraiment de skin. Non, c'est juste une référence à ma bite. Ah. Ça m'étonnerait. Elle est énorme. Après, Ryu, quand t'as fini ton... de te changer. Excusez-moi là. Quand t'as fini ton petit cirque là. Eh, en vrai, c'est joli ces couleurs là. Merci, mec. Ah, le violet, c'était mieux, je trouvais. Ouais, je trouvais aussi. Ouais, j'écoute de tout sauf du rap, quoi. Moi, j'écoute que de la musique, en fait. Moi aussi, je déteste le rap. Ouais, j'ai vraiment... Ouais, j'écoute de tout sauf du rap, quoi. Non, par contre, j'arrête pas de penser à un truc. Chrono et Pampan et... Renard. Et Renard, ils avaient fait une tier list des genres de musique. Et oui, et il y avait la catégorie raciste, et ils ont mis country dedans. Et ils ont raison, je suis désolé. Pourquoi tu racontes à ma place ? Oh, pardon ! Oh, je pensais pas que tu voulais dire ça exactement, pardon. Bah si, c'était exactement ce que je voulais dire. My bad là-dessus, pardon. Voilà. Et j'ai jamais vu un truc aussi vrai que la country. Eh oui, c'est vrai. Catégorie raciste. C'est vrai. Pardon, ouais. Désolé, je pensais pas que t'allais dire cette anecdote précise. T'inquiète, tu l'amènes plein que 40 fois ce soir. Oh, bah je vais me taire !
Je vais me taire, je me tais. J'espère qu'au bout d'un moment, j'aurai un prix assez à force dans mon chemin. Ah bah là, les Twitch Awards, là, bientôt, t'inquiète. Les Twitch Awards. Le plus grand mansplainer, Antoine, bien sûr, évidemment. Ah mais je te jure qu'en vrai, les Streamer Awards, c'est... Je pense que je regarderai cette année en live. Ah bah regarde. Parce qu'en vrai... Ah, en live, tu vas le streamer, tu veux dire? Ah non. Ah oui, ok. Non, mais non, c'est une blague. Bah en plus, je serai au States, donc... Oh non. Genesis. Ah, Phil Collins. J'adore. Ouais. Ah, Candence. Premier, vous? Ouais. Quatrième, perso. Comme les Wave Comedy Awards, j'essaie. Non, pour le coup, c'est vraiment bien. Enfin, c'est vraiment... C'est fait par des gens qui font du stream. Quoi, donc parce que Patrick Timsit, il faisait pas de... Il a pas de chaîne YouTube. Puis c'est vraiment fou. Ouais, t'as fait la vidéo dessus, mais c'est vrai que quand j'y repense, Patrick Timsit, Anthony Cavana, vraiment, c'est des gens qui n'étaient tellement pas pertinents pour le truc. Ça Anthony me tue. Cavana. Oui, Anthony Cavana, en vrai, il avait regardé une vidéo de Hugo tout seul une fois. C'est ça. Tu parles de quelle conférence, JD? Non, les Web Comedy Awards, c'était le truc de YouTube d'il y a 10 ans. Ah, je connais pas. Oh, tu connais pas, mec? T'as 10 ans, mec. Il faut que tu vois, il faut que t'ailles voir la vidéo de JD qui en parle. Ah, il faut vraiment que tu vois ça. Ah, c'est exceptionnel, mec. Okay. C'est exceptionnel, mec. Ah, c'était une cérémonie cringe? Enlève ton... Ah oui. Quand tu la mates, par contre. Ah non, c'est vraiment une cérémonie extrêmement cringe, complètement à côté de la plaque. Elle est monétisée, cette vidéo, JD, si. De quoi? Elle est monétisée, ta vidéo sur les Game Awards? Oui, pourquoi? Bah, pour savoir s'il fallait enlever la pub ou pas. Oui, non. Oui, ah, moi, je mets Adblock quand je regarde les vidéos de JD, de toute façon, donc... Voilà, bien sûr. L'inverse m'aurait étonné. Pas un centime n'ira à cet escroc, qu'on soit bien clair. Les gens peuvent regarder avec le bloqueur, moi, ça me dérange pas, en vrai. Et bah, tant mieux. Oh non! Ok. Florence, JD, on compte sur vous à 100%. Très bien. On arrive là, c'est imminent. Sauf si je me fais int, bien sûr. Je suis avec mon frérot. Il va et falloir bon. Quand même passer, mais... On va passer. Oui, c'est bon, c'est bon. On va passer, effectivement. C'est la vidéo qui date d'il y a 3 ans. Ouais, c'est ça. Oui. Exactement. Ah, mais j'ai déjà vu. Ok, j'ai déjà vu des extraits, mais j'ai jamais vu ta vidéo. Ouais, en fait, c'était une cérémonie qui était censée être genre les Césars de YouTube, mais genre il y a 10 ans, mais en fait, c'était un truc qui était méga sponsor Orangina et tout. Enfin, c'est trop de la merde. Et c'était diffusé sur W9. Le maître de cérémonie, c'était Anthony Cavana. Aucun rapport avec YouTube. Pourquoi pas? Et l'invité d'honneur, c'était Patrick Timsit. Aucun rapport avec YouTube aussi. Enfin, voilà, c'était une cata. Trop de fou. La vidéo la plus récente de JD, donc putain, vous êtes des bâtards, il en a sorti une le mois dernier. J'en ai sorti deux dans les 5 mois. Voilà. Deux dans les 5 derniers mois. La dernière vidéo de JD est très très bien, je vous incite à aller la voir parce qu'il le dira pas de lui-même, mais moi je le dis pour lui, voilà. Ouais, elle est mid-tier correcte. Non, elle est très bien. Non, elle est très bien. En fait, s'il dit un truc agréable, il meurt, je pense, non? Désolé, je suis trop dans mon personnage. C'est une vidéo authentique du YouTube 2017, étoile, t'es une merde. C'est une vidéo. Non, étoile! Mec, j'ai. Non, j'ai été trop unlucky, je te jure. Mais en vrai, on n'est pas éliminé. Je suis unlucky, désolé. Oh non, JD! Ok, on n'est pas éliminé si vous restez. Non, mais en vrai, il y a 5 canons, c'est pour ça que c'est super dur. Hein. Ah. Il y a 5 canons ou ça? Oui, il y en a 2 au-dessus en fait. Ah, j'avais pas fait gaffe! C'est pour ça qu'on c'est juste pour... on a juste le rôle. Florence la goutte? On est toujours qualifié pour l'instant. Ouais. Mais ouais, la dernière vidéo que j'ai sortie, c'est une vidéo qui a été littéralement écrite et tournée majoritairement en 2017. Donc si vous voulez replonger dans le temps, oh, Florence, c'est grotesque, hein. Mais Florence, c'est grotesque. Ah, elle est trop bien ta vidéo, JD. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai dit de toute façon. C'est parce que, t'es un vieux de cette époque-là, c'est tout, hein. Mais justement, ce genre de vidéo, moi, je suis devenu un peu insensible avec le temps, mais les tiennes, non, ça va. Ah, allez, Antoine. Oui. Tu tiens le monde sur tes épaules. Bien sûr que oui. Oui, absolument. Je suis le Atlas de cette game. Tiens le mien quand même parce qu'on est un peu dans la... T'inquiète. Ah non, c'est pas bon. T'inquiète. Faut que tu tiennes... Oh, c'est gagné. Non mais en fait c'est gagné, je crois. Même si tu meurs, c'est gagné. Antoine, est-ce que pour donner un peu de suspense au chat, tu peux te suicider maintenant? Non, fais-le pas. C'est la DER, je peux pas faire ça, Ryu. Antoine, s'il te plaît. What the fuck? S'il te plaît, mec.
Oh, t'es une dinguerie, comment tu sais pas jouer avec le feu? Oh, le goat. En soi. Oh, mais non, mais on a gagné. Oh, goat. Putain, on est passé qu'à 40, hein. C'était close, hein. Hey, la coupe de cheveux de hard disk dans la vidéo m'a perdu dans l'espace-temps. Oui. Eh, hey, vous êtes tenu le ventre, le chat, non? Là, ils sont chiés dessus, littéralement. Putain, qu'est-ce qu'on s'est amusé. Oui, point d'exclamation playlist Dark Semence. J'ai vraiment fait deux fois l'aller-retour, tenons la défense pour la vanne. Et ouais. Voilà, bilan carbone, pas ouf pour cette vanne, j'avoue. Bah non, tu l'as fait en train en plus. Oui, mais bon, quand même. C'est sûr qu'à côté de voilà, ces trois personnes qui se baladent en jet à longueur de temps, effectivement... Voilà, je pense que l'état du monde va s'en remettre, JD. Ou nous, par exemple, qui sommes allés aux États-Unis cet été, JD. États-Unis d'Amérique. Les merdes que nous sommes. Alors qu'on a fait le The Event. Et moi, j'y retourne, mec. T'as pas honte? C'est Smash Bros, mec. T'as pas honte? Non! Le pingouin, il est tombé dans le vide! Ok, tu m'as fait peur, putain. Encore j'ai... Oui, mais du coup, j'ai pris beaucoup de retard, je suis désolé. On est quand même derrière toi, GD. Hein. Ouh, faut se dépêcher! Vous êtes mort. Non. Non. On va falloir se dépêcher. On se dépêche? T'inquiète. Ouais. J'ai chaussé okay, mes chaussures rapides. Bah, malheureusement, les amis, on a été tag avec des randoms qui savent pas trop jouer au jeu, donc il va falloir un peu tryhard là. Ouais, des randoms. Ah oui, non, d'accord, tu parles de nous. Ouais, t'as compris. Okay, j'ai la vanne, c'est bien, j'ai... Je... Non, mais attends. On rappelle, sûr, il est tombé frame 1 sur la game d'avant. Hein. Ouais, mais en fait, si tu te concentres par rapport au passé, tu vas jamais avancer. Hein. Il dit rien, juste il se fait bolosser et il accepte, ça me tue. Oh ouais, j'accepte, mec. Amikos. Ouais, c'est chaud, là. Là, faut pas se faire... Oh, ouais, c'est chaud, là. C'est fait Tito pour moi. De rien. C'est bon pour moi. Deuxième. Voilà. Non. Florence, pitié. Oh, Florence, faut absolument que tu passes. Il faut absolument que tu passes. Arrêtez de me mettre la pression, s'il vous plaît. J'ai une. Mais attends, mais JD, c'est fou, tu notes gueule. J'ai une de fou. FF. Mais s'il y en a aucun autre qui passe, c'est bon, mais sinon. Ah ouais, mais non, ça va nous TO. Non, on est troisième là. C'est mort. C'est un time out là, je pense. Non. Oui, non. Ça va nous TO, mais s'il y a personne d'autre qui passe et qu'elle arrive à passer, c'est bon. Vite, Florence, tu es la meilleure. Ah, il y a quelqu'un qui est passé, mais de l'autre team, ça va. Tu es la meilleure, Florence. Attendez. Je reprends mes esprits. Florence. Allez, Florence. Allez, Florence. Non! Non, il passe devant! Non! Elle a hint! Bah après, non, c'est plus. C'est... Non, le vrai hinter, c'est JD! Pourquoi? Parce que Florence, elle est passée, vous me l'avez pas dit pour me faire une surprise? Oh putain! Mais j'arrive pas à quitter. Foutu de notre gueule! Bah, vas-y, je me casse! L'adère, Antoine, on va pas. Non, c'est finito! C'est ciao. C'est une petite dare, la golden dare là. Non, c'est ciao, j'ai déjà fermé le jeu. J'ai fermé le jeu. La golden dare. Il a fermé le jeu. Si, c'est ciao. Voilà. Et bah écoutez la team, je vous dis. Et bah c'était bien agréable. À demain du coup pour le FFS. À demain pour le FFS. Bisous, ciao. Des gros bisous, merci. Salut, ciao. 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 Bye.